Bonjour tout le monde, c'est le sage de Nancy. On se retrouve avec notre week-end habituel agréable de récréation collective. Et je démarre mes histoires de naufragés en mer. Il y a Torota, Petit Cep qui est déjà là, et d'autres pourraient nous rejoindre dans la matinée de jeu. Voilà, installez-vous confortablement. Bonjour à tous, c'est en retard. Bonjour, bonjour. Moi, je dis juste bonjour, tu vois. Même moi, hop là, allez. Mais donc regardez bien mon titre hein, pour ceux qui veulent voir les chaînes des autres. C'est comme ça que vous retrouvez les identifiants de ceux avec qui je joue. Parce que Petit Seb et Torota ont leurs canaux respectifs. Et les autres joueurs qui nous rejoindront potentiellement tout à l'heure, Christella et Edge Club, ont également le leur. C'est dingue. C'est génial. J'adore. Ouais, et j'aurais peut-être un. Il y a un jeu que je veux faire et je cherche trois personnes pour le faire. Ils n'auront pas besoin d'acheter le jeu puisque c'est un jeu remote play qui fonctionne très bien en remote play et que peut-être vous connaissez pour l'avoir vu chez Hero, c'est Lovers in a Dangerous Space Time. Ah Ah, ouais. ça ne me dit rien. Si, je l'ai vu, ouais. Voilà. Et du coup, ce jeu est remote play, donc il se joue très, très facilement avec 4 joueurs. Et contrairement à Hero qui cherche la difficulté, je préférerais le faire à 4 joueurs. Bah, moi ce serait éventuellement, mais sachant que moi je pourrais pas dégager de temps supplémentaire par rapport à l'agenda qu'on a, enfin surtout moi que Ah j'ai. non, mais je veux dire. Ce jeu-là, je pense que si on s'y met à 4, et même si on le fait à fond, il va nous falloir quoi? 3-4 streams pour le faire. C'est D'accord. pas. Ça, j'en parle maintenant, mais c'est pas forcément. Je suis pas pressé. Hein, et D'accord. c'est à l'occasion, tu vois. Si on... Ouais, bon, je peux me porter candidat potentiel si t'es intéressé. C'est un truc qu'on fera le samedi matin, et puis voilà. Oui, voilà. Ah, un œuf frais, ça fait de l'énergie. On est déjà en train d'avancer, Torota, ou pas? Oui, on avance dans la bonne direction. Alors, je me connecte pas tout de suite, en fait, cher public, dans le jeu, parce que je dois attendre leur signal pour arriver. Voilà, ils me On préparent le attend jeu, que une surprise. Christella arrive à 10h et à 10h on pourra lancer le jeu. C'est faux. C'est Elle faux. viendra en cours de route. Mais là, c'était convenu. Faut que j'attende le signal avant de Bah moi je réembarquer. pense que c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je peux déjà relancer le jeu, je suis bête. La Oui, connexion se fait pour dans moi 5 minutes, hein. c'est bon. Il n'y a pas de Oui, voilà. Bon, souci. bah si tu veux, tu peux D'accord. te connecter. Eh, c'est pas ma semaine. Hein. Et vivement que cette semaine se termine parce que j'en ai marre. Allez, zou. Je mets le plan de jeu. On se Donc lance. tu peux te lancer l'osage. Oublie pas de te mettre sur la bonne scène aussi. Oui, merci, tu fais bien de le préciser. Là, visiblement, c'est le cas. Bonjour, Erika, pardon. On parlait de toi, tiens. J'espère que tu vas bien Oh, aujourd'hui, bonjour Erika. Erika. Et je sais que tu as ton œil qui te pose problème, que tu iras consulter un médecin si, passé les fêtes, tu es encore enquiquiné. Donc, courage à toi. Par ça, j'espère que ça va bien de ton côté, Erika. Merci à toi de te manifester à nous. Ah là 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 là. Oui, on parlait de toi à la base, Erika. C'est le fait que tu avais donné l'info hier chez Christella qui avait Steam parfois qui a des ratés. À part ça, ça va au moins. Bon, bah, c'est déjà ça. C'est cool. Bon, moi j'attends que mon jeu se lance. Ah, non, je suis bête. J'ai pas appuyé là où il fallait. Ah, il est déjà lancé en fait. Mais je le voyais pas, il est en arrière-plan. Alors j'ai récupéré mon compte. Ouais, oh merde. Ah oui, merde, oui, c'est vrai que t'avais une panade. J'avais écouté d'une oreille au moment présent. Oui, ouf. Oh oui, tu me rassures, Erika. Ouais, gros soulagement. Mon Alors, je Dieu. sais pas si c'est que j'ai un décalage ou quoi, mais je vois toujours pas ton jeu sur ton stream.
plus sage. Ah oui, il y a peut-être un gros décalage, oui. Là non, tu devrais bientôt voir le menu. Tout est bon. Préviens-nous juste quand tu lances la connexion. Bah là, je suis sur rejoindre le monde, j'ai plus qu'à faire cliquer le bouton et j'arrive. J'attends votre signal. Vas-y. Ok. Vas-y. Bon, bah j'y go. Daniel. Pardon. Elle était trop tentante. Ah, de toute façon, il devait s'être déconnecté dans le coin, hein, ton retard. Alors, j'ai un CD de laisser pour mort, c'est du béton, car je leur avoue une photo de... Ah oui, de la clé de d'activation. Vache. Alors, on a de plus en plus de désynchro avec Torota. Il est possible que tu spawnes sous le bateau. Oh, ah oui. Donc, fais attention. Waouh. Oula, oui, effectivement, merci de l'avertissement. À la main, la mer, d'entrée de jeu. Non. Quand c'est en train de charger, appuie sur la. Et quand tu commences à entendre le son du bateau, appuie sur la barre espace. On sait jamais, des fois ça marche. Ouais. Et tu spawns à l'intérieur. Ah, Christella qui se manifeste à moi. Bonjour, ça va, car je suis pas trop en retard. Non, tu es pas du tout en retard. Non, je démarre à peine, tu vois. Bonjour, Christella. Oui, rejoins-nous. Viens, Christella, viens. Mais... Ou sinon, tu peux attendre pour voir la réaction du sage. Mais. Bonjour, Erika. J'appréhende hein, la manière dont vous m'avez préparé le terrain. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Bah, Torota a beaucoup farmé, j'ai dit. Il a rempli les coffres. Voilà. Ben oui, pour la cuisine, c'est normal. Ça demande beaucoup de bois. Donc, là, je constate que ma boîte à caca est devenue une énorme piscine. Ouais. Il y a même un plongeoir dessus. Non, c'est toujours une boîte à caca. De fleurs, ils inutiles. Voilà. Ah, alors. Ah, le sage a rejoint le bateau. Où est-ce qu'il spawn? Alors moi, j'ai encore rien. J'ai le menu du jeu en chargement. Ouais. Comment s'appuyer sur ta barre d'espace pour remonter? On sait jamais. Oui. Ah, il est au-dessus de moi. J'ai une tête de requin sur la tête. Qu'est-ce que... Je suis dans une salle au premier étage. Oh merde. Il a spawn au premier étage. Coucou. Coucou. Waouh. Moi, mais je savais pas qu'on peut faire un truc aussi bien. T'as spawn au premier étage en fait. Viens. Ah ouais, coucou tout le monde. Ah, puis vous êtes fringués avec des... Vous êtes tous capitaines, là, oula. Enfin, bah, c'est le vice-capitaine et le capitaine, hein. C'est... Oh. Alors ça, c'est la... ça, c'est ce qu'il y avait... Regarde, descends en dessous. Ça, c'est ce qu'il y avait quand t'es parti. Oui, j'ai un vague souvenir, oui. Alors, un peu modifié, avec peut-être un peu plus de coffre aussi. Oh la vache. Et coucou, c'est Timio. Bonjour, aux arrivants, bonjour. Oui, t'as raison, je vais boire un coup avec Kaim. Il me faut ça déjà pour mes premières émotions. Wow. Et c'est que le début. Ah, là, c'est le moment de révélation. Hop. Ouais, par contre, tout je monte. Salut, ce type. Juste histoire de vérifier un truc. Alors, regarde. Il faut bouffer. Fais chier. Ah oui, t'es en PLS. Ouais. Eh merde. Ouais, je le jette par terre au lieu de le prendre. Oh c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces animaux? J'y connais pas ces Pokémon. Ah ouais, on a commencé la capture des animaux. Ils sont beaux. Alors, les animaux. Il y a trois animaux différents. T'as la biche, le lama et le dindon. Voilà. Et t'en as trois types de chaque. Et là, pour l'instant, on en a que deux de chaque. Donc... Mais c'est triste, les lamas, on dirait qu'ils sont dépressifs. Mais ils sont tous dépressifs parce qu'ils ont rien à bouffer. Ah, oh, Serge et voilà. Bernard Lama, oh les cons, ils l'ont fait. Ah, il y a un œuf. Récupérer œuf. Oh. Ah, mince, oh, y en a plusieurs des œufs. Ah merde, j'ai chopé le dindon, oh mon dieu. Mais je veux pas jouer. Saute dans l'enclos. Non, là tu l'as lâché dehors. Pardon. Saute dans l'enclos et puis tu le relâches à l'intérieur. Ouais. Oh là, mon dieu, oh là, oh là. Non, je veux pas renommer l'animal. Attendez, je suis en train de me rendre dans les... Bah, lâche-le sinon. Je vais m'en occuper.
Mais oui, non, tant pis. Normalement, c'est la touche E. Ah, mais tu changes tes touches, c'est vrai. Oui, et ouais, et j'ai un souci de touche en fait. Parce que je me rends compte que quand je veux sauter, il me fait renommer l'animal simultanément. Donc j'ai une confusion de touches, ça la fout très mal. Et Voilà, comment je tu l'as saute et fait? je renomme l'animal, ça va pas. Non mais lâche-le, hein, si Ok, tu peux. ouais, je te laisse gérer, merci. Et voilà, Je suis Christelle désolé. a parfait. Ah, elle arrive juste à temps. Oui. Alors, pour sortir du bateau, le sage, Oui. c'est ici. T'as la même de l'autre côté. D'accord, il y a une symétrie de... D'accord. Ah, c'est ça les ponts-levis. Wouh! Mais c'est stylé! Ah, mais t'es arrivé jusque-là. Ah, merde. Ah, il y a un paquebot! Oh la vache! Rentre à l'intérieur. D'accord, Rentre à j'ai l'intérieur. rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Vous êtes sûr Pourquoi que t'es c'est le venu même là, ton jeu? retard? Bon, Mais tu on m'as te fait. pas Ah, comme. viens avec moi, je te fais visiter le reste. Oui, je veux bien, je. Là, tu Waouh! suis ton retard, là. Je. Là, tu suis Pardon! ton Ah retard. ben! C'est par là! Donc là, ça sera notre salle où on va mettre tout le stockage, Ouais, tous les coucou coffres. Christella. Oui, d'accord, la salle des coffres, ok. Salut! Et salut Voilà. Christella! Donc là, c'est nos chambres. Ok. Et petite Donc info! il y en a cinq, il y en a une Oh! qui Ça manque. parle! Oh! Mais non, mais! Oh, les salauds! Toilette en sécurité, bien sûr. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je me mets derrière le panneau et je suis prêt à toucher des grosses commissions. Mais les vôtres, nah, je prends que des primes de cabinet. Nah. J'avais déjà fait celle-là, mais elle est énorme. Ah, bah, c'est malin. Oh, stylé, j'adore. Oh, c'est énorme. Oh, le petit Donc voilà. objet, c'est Mimi. Ouais, Waouh. voilà. Tu peux rentrer à l'intérieur, hein, pour voir les salles, hein, si Oh, tu ça s'ouvre veux. de manière classe. Oh, qu'est-ce que c'est trop choupinou. Good shot. Oh, et oh, vous permet pas. Fini, oui. Oh, mais non, mais c'est génial. C'est trop rigolo. Oui, c'est des trucs asiatiques. Oh, la fleur dans la godasse. Oh, c'est original. Oh. Alors c'est rigolo parce que c'est le genre de vanne que j'aime bien faire aux autres qui me retourne dans la tronche au final. C'est génial. Fallait que ça arrive un jour. Oh, c'est trop classe! La police de caractère, elle est trop stylée. Live log... quoi? J'arrive même pas à lire. Say. Oh, c'est des chiottes! Je viens de me pencher sur les chiottes. N'importe quoi. Bourget Club. Oh, oh le trophée! Ouah. Oui, alors il y a des objets, il faudra m'expliquer en priorité. Je sais pas, j'ai un tonneau. Alors c'est pas un tonneau, c'est une poubelle. Ah, mais j'ai des chiottes à chaque. Oh là! Je collectionne les chiottes en fait. Oh! Ils m'ont retourné toutes mes vannes, tous mes jeux de mots. Bravo! Ah là 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 là. Viande grillée. Non mais. Oh! Oh non, mais alors ça! Ça c'est honteux! Mettre une recette de viande grillée et de la punaisée au mur là où je trône. Ah bah bravo! Ah bah c'est du joli. Mais c'est trop stylé. Enfin, je reverrai ça plus en détail après, mais. Oh! Est-ce que tu les as liées au moins tes toilettes? Non, à vrai dire. Le pire, c'est que j'ai l'embarras du choix. Alors attends, je vais prendre Non, les. essaye celle-ci là, celle-ci. Comment ça, celle-ci? Le Lesquelles? sèche. Je vois même plus. L'autre. Celle-là? Ah bah elle est plus chargée, comme par hasard. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, c'est maintenant. Oh mon Dieu. Mais c'est pas vrai. J'ai pas un centimètre carré de ma chambre qui est vannée là, c'est. Voilà, Mon allez, Dieu. hop. Encore que le plafond a l'air assez naturel. Mais c'est Donc fou. tu veux voir le reste du bateau parce que ça c'est que le rez-de-chaussée. Oui, je veux bien. Non mais en fait, mon sentiment, c'est que j'ai vu avant d'y jouer des extraits de. Oh mais il est trop bien ce pendule. Waouh. Ah c'est original. Ah, c'est original. J'avais vu des extraits de Raft sur différentes chaînes, quoi, par petits morceaux. Et bon, c'est vrai, vous me direz, il y a eu des mises à jour entre-temps. Mais waouh, je te suis, petit Seb, hein, c'est toi qui fais la visite. Ah, on va retourner au. Attends, hop. Mais tu vas te balader avec ton dindon dans tout le bateau, le sage? Un dindon. Je savais même pas que j'avais un dindon sur moi. Je pense que tu as une des cinq, Christella, et tu le vois avec le dindon rouge dans les mains, c'est ça? Ouais. Voilà. Non, il l'a reposé déjà. Ah, c'est un bug. Ok, tout va Ah, ok, bien. d'accord. Eh bien.
Non, j'ai la tête de requin, donc je peux éventuellement me séparer. Merde, je lance mes trucs, moi. N'importe quoi. Attendez, pardon, faut que je retrouve mes touches, je sais même plus jouer. Comment je faisais pour aller dans l'inventaire, moi, dans le jeu? Enfin, nous, c'était tabulation. Mais... Bah... Ah, j'ai ouvert le livret, c'est... j'ai un... Il y a le... la touche I aussi pour inventaire. Tabulation, pire, ou ouais, I. Merci. Oh, j'ai des données techniques. Tiens. Ah, ah je oui. crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est bon, je reprends mes repères, merci. Attends, je retire un peu ma tête de requin. Attends, Close, j'ai... Oui, je reviens. Quoi, j'ai appris caisse de cuir. Ah non, c'est toi. Grèves en cuir. Baume de guérison. Oh. Lampe pour casque. Oh, énorme pour la spéléo, c'est énorme. Sac à dos. Oh. Armure en cuir. Voilà. Oh, c'est fou. On wow. avait gardé pour les apprendre quand tu serais là. Ah, mais si. Eh bien. Et après, je ferai des gourdes pour tout le monde. De toute façon, normalement, on a assez de ressources. Donc, bah, viens. Oui, oui, oui. Je te suis. Bon, en fait, bon, je te... Voilà, en fait, Torota, il est arrivé à la prochaine île d'histoire qui, en fait, est un paquebot. Voilà, c'est pour ça que t'as ça. D'accord. En fait. J'ai peur, donc... je croyais que vous l'avez construit à côté de paquebot, je me suis dit c'est pas possible. Si, si, en fait, c'est une copie, copie celui-là, là, en face, c'est une fausse histoire. Non, elle te raconte pas le nombre de ferrailles qu'il nous a fallu pour faire ça. Ouais, ce serait... Autrement dit, Torota a passé 2 semaines à farmer, et moi j'ai passé 2 semaines à construire, hein. Tout va bien. Voilà. Ok. Bon, alors... Là, j'en avais pas discuté avec toi, Torota, mais je pense qu'on va se faire une petite infirmerie. Ça fait oui. un petit poste... C'est vrai. Tranquillou. Ensuite, à côté, ça va te plaire, le sage. Ah. Bon, t'as les escaliers pour monter encore plus haut, parce que oui, il n'y a pas qu'un étage. Il y a des petits hibiscus sur les côtés. Oui, voilà, non, mais c'est très stylé. C'est... Et là, ça sera ta cuisine. Ah oui, d'accord. Oh la vache, 5 plans de travail, énorme. Ah, le bois pour ouais faire chauffer les marmites. Ah, plus même, il y a de l'autre côté. Sérieux? Ouais, putain, on a 4 coffres et demi de bois. Hein. je peux faire barman, il y a plein de boissons, c'est trop drôle. Alors pour l'instant, tu pourras pas parce qu'il faut des batteries et qu'on en a pas. Voilà. Oh, ça viendra, mais c'est énorme. Et en fait, on en fabrique plus parce qu'on en a je sais pas combien en réserve et on attend de pouvoir les charger. D'accord. Alors, sur les côtés, il y a les. Vas-y, tu peux passer. Bon, c'est les toilettes. Hein. Oui, oui, je vois. Les vraies toilettes. Il y en a une de chaque côté. Et ici, on va faire une grande salon salle à manger. Ah ouais, stylé. Il va falloir du temps pour me repérer, mais c'est démentiel ce que vous avez fait. Alors après, oui, monte à derrière aussi. Ça c'est l'arrière du bateau. Oui, qui est un peu abrupt d'ailleurs. On a vite fait de ouvrir, prendre l'air et... Coucou. On était passé en dessous, oui, je vois. Ouais, mais il y a des échelles. Voilà. Oh là là, hop. Ah oui, étage. Oh là là, mais il y a combien d'étages? Mais oui, non, mais c'est la copie du paquebot métallique d'à côté, là. Non, normalement, il est plus grand. Quoi, pardon. Oh là là. Vas-y, je t'en prie. Bon, là, on a une méga grande salle où on va faire une salle d'exposition, en fait. Waouh. Tout simplement. Non, mais, et vous avez vu le temps que je mets pour passer d'un bout à l'autre de la pièce? C'est fou. Waouh, tambour, ça donne quoi? Je veux voir. Oh, c'est une belle vue, tiens. C'est sympa, le pont. Waouh. Oh, c'est... Oh, oui, c'est la première fois que je vois l'océan, la mer d'aussi loin, d'aussi haut. C'est magique. Bon. T'es encore plus haut. Tu vas pouvoir le redire dans 2 minutes, t'inquiète pas. Ah oui, il y a la voile qui est au sommet. C'est énorme. C'est pour embêter Torota quand il ferme tout seul, il est obligé de monter, activer la voile et de redescendre tout en bas, activer l'oncle. Waouh. C'est ça. Tu
petit coup. Donc là, cet étage-là, on propose, enfin, on pensait faire bah, tout ce qui va être les champs, les cultures, les animaux, tout ça, on mettra tout ici. Ah, il y a des nids pour charmer les mouettes et récupérer leurs plumes. C'est ça. Et tu peux les tuer plus facilement aussi. Tu m'étonnes, c'est horrible. Voilà, et puis bah, au-dessus, bah, t'as la cabine de pilotage au quatrième étage. Non, mais c'est génial. Mais c'est énorme. Et au cinquième étage, il y a la voile. Ah, j'adore. Mais le pire, c'est que vous avez fait super cohérent. Torota, monte. Monte, Torota. Mais au final, en plus, on n'est pas si loin que ça de la hauteur de l'autre. Mais oui, c'est vrai. Oh, c'est énorme. Oh, c'est quoi ça? C'est la communication en mer, c'est les sémaphores, les drapeaux. Dire il y a quarantaine oui, à bord, on a besoin d'un. Non, c'est ça nous aide à repérer le sens du vent pour tourner la voile. Ah, suis-je bête? Mais oui. Et coucou Yukine, comment vas-tu? Bonjour Yukine. Alors attends, moi faut que j'aille mon inventaire. Oula, attention, j'ai plus que de la bouffe crue. Va falloir que je... Enfin non, j'ai encore un truc de requin, mais... Ah, puis j'ai plus de flotte. Ah, mais après, tu vois, après le sage, tu fais Yamakasi. Y'a pas de dégâts? Non. Si, y'a du dégât, mais t'inquiète pas, ça passe. Moi, je descends... Hey, moi, je descends jusque par là, j'ouvre le pont-levis d'en haut et je descends. Alors moi, je vais flâner un peu dans le navire parce qu'il faut que je prenne mes repères, là. Je suis étourdi par la... La transformation folle. Ah, j'ai retrouvé mes cuisines déjà, ça me plaît. Attends, il n'y a que du bois dedans? Ah oui, oula. Mais c'est pas vrai. Ah, il y a quand même un coffre vide, ça me rassure un peu. Il y a 4 coffres et demi de bois, je crois, quelque chose comme ça. Attends. Ah, il y a des petits bugs d'optimisation dans le jeu. Je vois la pluie à travers ma cuisine. Oui. Mais ça, c'est vrai. Même au rez-de-chaussée, t'inquiète pas. Au rez-de-chaussée, tu vois toujours l'eau qui passe à l'intérieur du bateau alors qu'on a fermé. Mais ça va. Il y a Yukine qui vous pose de la question. Comment allez-vous? Moi, ça va. Ça va bien aussi. Je pense qu'on a réussi à choquer le sage, donc tout va bien. Et bonjour, Slider Douglas. Je suis KO debout, en fait. Je suis vraiment... Salut, Slider. Bonjour, Slider Douglas. Non, parce qu'il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs... J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Vous avez bossé comme des malades, vous avez fait un truc ultra cohérent. C'est beau, c'est pratique, je suis béat d'admiration et je suis estomaqué, en fait. C'est vrai que je suis bien content de notre petite construction. On l'a fini mardi soir. On l'a fini. Mardi soir. On a même pas mis 2 semaines, on a mis à peine plus d'une semaine pour le finir. Wow. Puis j'aime bien les effets de lumière, par contre la lumière elle est cohérente. On voit que la pièce est éclairée, mais il n'y a pas de. C'est génial, ça fait vivant. Alors on est tour à ta chambre, hein, parce qu'on a fait beaucoup de. Voilà. On va dire du raffut. Non, par contre, excusez-moi, alors c'est bien d'avoir accès à la cuisine avec le bois, mais la bouffe elle est. Ah, elle est au point de départ, d'accord. Oui, mais parce qu'on n'a pas. En fait, on s'est concentré sur faire la structure. Okay, on n'a pas. On va aménager. En fait, On a continué à faire cuire sur les barbecues en bas, donc on a toujours les coffres avec la bouffe en bas. Voilà. Moi déjà. Ah, on les amène plus tout à l'heure, les trucs de flotte. Il me les faut, ma bouteille est vide. Ah, ils sont là. Bah, c'est ton bas. Ah oui, et t'as la petite case ouverte à côté pour remplir d'eau de mer. Mais c'est trop bien! Ouais, et du coup, t'as les 4 cases qui sont renforcées pour pas que le requin puisse attaquer. Oh, c'est génial! J'adore! Ah, mais c'est 100% confort! Ouais. Ah oui, le requin peut pas attaquer le navire. Il peut plus attaquer le navire. Ah bah, il doit bien faire la tronche. Voilà. Alors, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça dans le coffre à côté de Christella, tiens. Hop! Voilà. Okay. Vous pouvez récupérer votre méga gourde dans le. Oh, merci. Merci.
Ah, mais il y a un Ghetto Blaster. Après, vous faites comme vous voulez, mais la méga gourde, je sais pas qui l'a pas récupéré encore. C'est moi. Ah oui. Donc, elle fait deux fois la taille de la bouteille. Donc, moi, je, en fait, là, moi, j'utilisais actuellement ma bouteille pour boire l'eau pure et le gobelet pour l'eau de mer. Maintenant, je vais utiliser la bouteille pour l'eau de mer et la gourde pour l'eau pure. Et la bouteille, t'en fais mais... quoi? Bah, tu la gardes pas pour. À cette question. Tu la gardes, tu la remplis d'eau de mer pour remplir le purificateur. Ah. Après, si tu veux te la mettre dans le cul, tu fais ce que tu veux. Ah, ah mais t'es d'accord, c'est pas cruellement ma suggestion. Oh non. Incroyable. Ah, je suis KO debout, hein, sans déconner. Je vois. C'était l'objectif, c'est réussi. Merci Erika pour le follow. Ah ouais, ouais. Oui, tout ça est passé crème dans la même phrase. Voilà. Mais. Ah, il y a même des trophées vivants au mur. Waouh. Oh, ils sont mignons. Non. Ah, ils sont voilà, trop mimi après, avec l'air de tête. Oh, ils sont choupignons. Après, on s'est un peu voilà, amusé avec les. À décorer un peu ta chambre, mais voilà, t'en feras ce que tu veux, hein, de toute façon. Oui, je m'accaparerai les lieux dans les prochaines heures. C'était pour l'accueil. Ah oui, non, moi, mais il est réussi, là, vous m'avez fait la totale, là. Moi j'ai des trucs dans la chambre du capitaine. J'ai pas touché à ma chambre, je suis déjà loti aussi, t'inquiète pas. Waouh. Oh Wouh. Oh mon dieu. Vite, j'ai peur déjà du requin, mais c'est trop bien. Alors, moi, je vais me fabriquer deux lances en métal parce que voilà. Elle de Christella, très bien allumée. Ah ouais. Et la chambre. Mais tu vois, heureusement qu'on avait farmé le métal. J'entends mieux. J'ai utilisé un stack de 20 pour faire les 5 gourdes. Ah oui. Oh, trop fort. C'est waouh. Ouais. Ah bah du coup, ma pique en bois, j'ai... Ouais, c'est ce qu'elle veut dire, je peux me la mettre là où je pense, parce que le requin, il est plus là. Enfin, il y aura plus de danger. Bah oui, mais le requin il a toujours des dangers, il tourne toujours autour du bateau, même s'il l'attaque pas. Donc ouais, si toi tu vas à la mer, voilà. Mais fais-toi une lance en fer. En fer ? Vache. Ouais, une lance en métal. alors attends. Ou si, sinon je t'en fais une métal. Si tu veux. Non, visiblement si je peux. Attends, je vais apprendre, t'inquiète pas. Merci, mais je vais. Alors, les boulons et les charnières sont là. D'accord. Message sur quoi sur lequel je saute. Alors, il me manque le lingot de métal, donc je prends un boulon. Le lingot de métal, il est. Il est dedans, il est dans la salle d'à côté, à côté des fours. Des fours. Ah. Là. Donc, c'est les produits finis là-bas. D'accord. Là, ici. Ok, merci. Waouh. Ah ouais, là, ça va être la violence. Du coup, dans mes quartiers, je devrais avoir droit d'avoir mon petit coffre avec mon bordel et ma sacro-sainte boîte à caca, non? Oh, ils ont déjà tout nettoyé! Je reviens, il n'y a plus d'écriteau, mais moi, je vois pas de quoi tu parles de ça, j'y ai jamais rien eu. Là. Ouais. Eh mon dieu. Ah, puis cette pile de papier, c'est pour se torcher, j'ai même pas fait gaffe. C'est pour vrai. Non mais j'aime bien le souci du détail quoi, vous avez le rouleau usagé de PQ, le complet à côté, c'est mais bon. Alors, dis-toi que j'ai à un moment hésité à mettre une fenêtre quand tu t'assois ici en face. Oh. T'as une fenêtre où tu as juste la tête qui ressort, oh, ça aurait été très très drôle. Ah oui, ah oui, 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 ah oui, oui, oh là là. Ah
c'est énorme. Mon dieu. Je suis tellement troublé que je ne sais même plus par où commencer. Alors, mon gobelet d'eau. Poubelle. Ah, c'est une poubelle. D'accord. Ah bah tiens, elle tombe bien. Je vais mettre ma lance en bois dedans maintenant. Alors, et t'as le petit icône de poubelle quand tu es dedans. Si tu cliques dessus, ça vide tout ce qui est dedans, ça le fait disparaître. Ah ouais. Okay. Oui, pas de soucis. Oh, c'est rigolo de voir des objets de la mer par-dessus le plancher. Littéralement. Est-ce que tout le monde a au moins une lance en fer neuve? Ouais, moi c'est bon. Oui. Alors moi c'est de la bouffe aussi. Parce que j'ai la flotte mais j'ai pas la bouffe. Ouais, prenez un peu de... Maintenant vous avez la grande gourde, donc si vous l'avez remplie d'eau, il n'y a pas de problème. Hein, même si vous en avez mis que la moitié, il n'y a pas de problème normalement. Et prenez un peu de bouffe en réserve. Attendez, je suis largué parce qu'il y a, plein de trucs dans le monde que j'ai pas. Essayez peut-être prendre de préférence 3-4 gros poissons, ceux qui ont les barres de vie, parce que du coup ça vous fait moins de bouffe sur vous et vous en avez quand même pour pas mal de temps. Voilà. Les plumes, j'en aurais pas besoin, je pense pas. Ah, il faut que je retourne en cuisine. J'ai de la bouffe sur moi que je peux déposer en cuisine. Oh la vache, c'est impressionnant. Alors attends, faut que je prenne mes repères. Je sors de mes quartiers, j'atteins la cuisine en allant par là normalement. Je prends l'escalier et la cuisine est là. Voilà. Alors, comment ça marche ? Alors, ah oui, tiens, je vais t'expliquer, ce sera plus simple. Bon, t'as tes recettes d'affichés, ça t'a vu. Vaut mieux que tu cuisines. Là, tiens, par exemple. Selon les schémas, ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut, en fait, c'est que tu peux poser tes ingrédients sur les petites feuilles de papier blanc qui sont sur le plan de travail. Ok. Et quand t'as posé ce que tu veux, que ce soit 2, 3 ou 4 ingrédients. Normalement, t'appuies sur la marmite, ça met tout dedans et ça cuit tout seul, et ça, c'est prêt au bout d'un moment. Waouh! Et puis, il y a beaucoup de recettes. Le paradis du cristaux. Alors, les recettes qui sont en papier normal, on va dire, c'est les recettes qu'on a récupérées en se baladant, tout ça. Ouais. Et les recettes qui sont bleues, c'est les recettes spéciales que j'ai achetées aux marchands sur les grandes îles qu'on croise. Oh, j'aime beaucoup la mécanique du jeu. Ah oui, là, il y a de la viande crue. Là, je peux mettre les betteraves. Ok. Ah, oh, c'est beau, ça fait stylé. Waouh. Ibi. Voilà, voilà. Je pense qu'on te laissera découvrir ça un peu après, le sage. On va essayer de faire l'île d'histoire pour pouvoir avancer, en fait. Okay. Parce que avec Torota qui a farmé comme un malade et moi qui ai construit, du coup, ben, on a un peu tout débloqué de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, on va essayer de... C'est pour ça que je demandais si tout le monde avait une lance en métal. Ok, mais je m'équipe aussi, je fais comme Christella. Ok. Vas-y, tombe dessus. Oui. Ok, vous allez là, je vous suis du coup. Hein, je... Ah, attention, j'ai pas pris de bouffe, moi je vais bientôt crever de faim. Bah retourne-y, on est juste là. D'accord. Pardon, je suis un... Oh mon dieu, je l'ai vu. Je l'avais manqué visiblement. Ah oui, une terre cuite. Ah bah c'est bien. Je carbure à la pomme de terre cuite, ça me va très très bien. Prends en deux stacks alors, hein, au cas où. D'accord, ça va durer longtemps. Je sais pas combien de temps ça dure. J'ai dit que j'avais fait le jeu, hein. Je me souviens des grandes lignes, mais je me souviens pas de tout. D'accord. Et puis je me suis tellement éclaté à construire ce paquebot. Ouais. Ok, j'arrive, excusez-moi. Voilà, le paquebot construit en une semaine.
Oui, il est beau. Oh là là, oui, il est majestueux. En plus, il est écolo, il est biodégradable. C'est vrai, c'est le sentiment que j'avais au début dans le jeu. Je dis, ça doit être un jeu militant. De dire de démarrer avec toutes les merdes en mer, il y a un message qui est passé. Qu'il faudra peut-être arrêter nos âneries sur notre petite planète. Voilà. Alors, bah en fait, je vais vous laisser découvrir hein, un peu aussi. Parce D'accord. que moi, je l'ai déjà fait. Moi, je vais faire le tour du paquebot parce que je sais qu'il y a toujours quelques ressources sous l'eau et je vais essayer de me les récupérer. Sans me faire croquer le cul par Oh, c'est limite s'il faudrait pas déjà avoir le casque avec la lampe. Punaise, c'est d'un sombre. Oui, il va y avoir des rats, des trucs. Il va y avoir Ah, des... je sais ce que j'aurais dû. Ah, j'aurais dû nous faire des sacs à dos pour qu'on ait plus de place. On fera des allers-retours, ça fait voyager. Une pièce mécanique. Ah. Quoi? J'ai entendu le capitaine dire que nous dirigeons vers l'un des gratte-ciels. Alors. Alors, je rappelle que les papiers, quand on les ramasse la première fois, ça les lie automatiquement. L'option peut être désactivée pour ne pas le faire dans les paramètres du jeu si on veut. Et je rappelle que dans le bouquin, de toute façon, le texte apparaît au complet. Oui, il faudra que je Attention. lise le bouquin par moment, c'est vrai. On va peut-être allumer. Ah, t'as la boîte de disjoncteur? Voilà. Ah bon? T'appelles ça? Ah, oui, d'accord, ok. Il restait Ça un n'a néon. pas allumé grand-chose. Oui, Ok. avec un néon de viable, c'est horrible. Il y a des pastèques ici. Donc, on a fait le tour ici. Je crois qu'on va pouvoir sortir. Incroyable, le navire de la croisière là s'amuse, ils l'ont fait. Ah oui, puis c'est vrai, ça a été vraiment un kiff. Non, mais c'est bien. Non, tu pourras aller voir les rediffs parce qu'on a fait vraiment un stream avec Torota tous les Oh sa deux. maman! Au secours, j'ai vu un truc poilu. Ah oui, il y a une bestiole. Waouh. Voilà. Lurk. Ouh, par contre, le stock de. Oui, c'est le rat, Ouh. ouais. Ça tombe bien, c'était le 50e rat que je tuais. Oh, moi Ah c'était le ben. Je suis même pas dans le paquebot avec vous. bon. Oh la vache. N'oubliez pas de le dépecer pour récupérer toute la Un bouffe. coupe-boulon? Waouh. Mais il avait juste un bout de viande, c'est tout. Oui, mais c'est déjà pas mal. On est carré. Ah, ben tiens. Oh! T'as pas de couteau Il y a des trucs à fouiller Alors, derrière moi. les objets clés sur les îles d'histoire, s'il y a un qui le récupère, n'importe qui peut l'utiliser après. Ok, donc non, il n'a pas été trouvé. Non, on va falloir faire quelques allers-retours dans le. Ah ouais, non, ça Il un grand plaisir. nécessite une clé. Wow, tous ces déchets. N'hésitez pas, hein, si vous trouvez des plats à manger, à vous les partager, puis à Ah, les manger tout de parfait. suite, ça. Ah, mais c'est sympa, c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu de piste. Faut trouver les clés, les serrures, tout le. Ah, oh, j'adore. Hop, attends, il y a une porte qu'il faut ouvrir avec la clé qui est juste. Ah non, alors c'est pas celle-là. Ah ouais, il y a C'est des quoi que câbles à j'ai faire trouvé comme sauter. clé? La clé rouge, t'as eu. Ah, ok. Donc l'autre, c'est la clé bleue. Ça Ouais. marche. Si, Ah ouais. si, vous te, si, vous opte, si vous ouvrez le livre, vous avez le récapitulatif de vos objets clés à l'intérieur. D'accord. D'accord, ok. La caverne d'Ali Baba. Mais trop de plastique. Ouais. Trop de plastique. Ouais. Ah. Ruben, the yacht is ill prepared Et for on the sait que c'est pas la journey. peine de le ramasser. We'll have left space for a dance Ouais. floor, but no space for supplies. The bottles sure found their way to the bar. As a military man, I thought Olaf would at the very least be practical. Yet they're all treating it like a luxury cruise. I'm sorry, Ruben. I shouldn't have Wow. left. Oh là là, tout Ah, c'est ça. sanitaire et c'est les douches. Mon Dieu.
s'ouvre ou pas? Non, c'est verrouillé. Ah, ah, il y avait des lèvres. Nécessite un fil électrique, un briquet, un réservoir de gaz, une balle. Ah, je suis... Je suis nécessite transporté, là. 5 pièces mécaniques. Escalier. Ah, coupe le boulon. GG. On peut retourner là-bas. They laughed at me. I miss you, Ruben. Wow. Alors, le couteau de boulon, était pour ici. Ouais, ah, j'ai pris un réservoir de gaz. Oh, clé bleue. La clé bleue, c'est pour ici. Ah, on va pouvoir monter à l'étage, messieurs, dames. Oh. I'm shocked by their undisciplined nature. Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land. Oh, il est bien. Attends, est-ce qu'on peut y jouer avec ces noms? Ah non, dommage. Les peintures sur le mur. Ah, c'est super. C'est ultra sombre. Ouais. Oh, hey, j'ai l'impression qu'il y a de quoi réassembler une espèce de tondeuse à gazon. Ouais, non, un chariot élévateur, un chariot élévateur. Ouais, parce que la tondeuse, je sais pas où tu vas la passer. Hein. Écoute, excuse-moi, mais vu la qualité du paquebot. Mais pourquoi j'ai de la bouffe? J'ai des trucs sur moi, mais sophistiqués. Oh, j'ai de la soupe verte, j'ai un smoothie à la fraise. Comment c'est possible? Parce que t'as des loots dans le bateau, tu dois les ramasser. Ah. D'accord. Allez. Oh, y a même un écran plat dedans. On peut c'est... pas le prendre. Ouais. On peut pas prendre l'écran plat. Quelle honte. Ça nous aurait mis de l'ambiance dans le bateau. Il me donne envie de l'avoir en vrai. Il me dit que j'ai ramassé un frappé au coco. Ah, oh, ça va être trop bon à voir, ça. Hop. Alors, attends, faut que je regarde. Ok. Donc, maintenant qu'on a les 5 pièces mécaniques, on va pouvoir aller faire la fabrication de l'objet en question. Ils ont modélisé même les... Comment ça s'appelle? Les bidons de gel douche. C'est rigolo. Il faut que j'aille au fond, je crois. Alors, le bateau, alors, qu'est-ce est-ce que qu'ils ça ont fait que j'aille vider mes poches? Non, voilà. Ils ont la balle, ils ont le réservoir. Et voilà. Ils ont le cri... Ah non, mais ça fait trop jeu d'horreur, je vois rien, il fait trop sombre. On, il capitoune, il faut des lampes torches là, ça va pas. Bon. T'es un grand garçon, t'as pas peur du noir. Ah. Moi je suis dans la piscine, mais la piscine elle est vide. Il y a des artistes, j'aime bien ce que je vois au mur. Oh le pauvre. Ouais, t'as vu les dessins, ouais. Ouais, la galerie de portraits. Non mais sérieux, on peut pas avoir de lampe. Alors attendez. Ce qu'on peut faire, vous êtes où? Ah, t'es en bas, le Au secours. J'ai encore un râteau velu qui me. Qui. Il me poursuit dans l'escalier, il veut me coquer le cul. Eh ben il est après moi. Oh, bravo Torota. Cette violence. C'est bon. Ah, après oui, je te rappelle que t'as construit une lance exprès pour ça aussi. Oui, mais j'ai pas le réflexe. Leur tronche me fait tellement peur que je suis tétanisé. Oh, c'est rien. C'est que des petits rats. C'est pas les sangliers de... Ah, alors tu vois, les sangliers... Oh, merde. Mais t'es plus plaisant. Ah, je suis coincé avec ma porte. Wow, qu'est-ce que... Il y a le lit. Il y a un lit double place. Ah. Alors... tu es où, Christelle?
Moi, je suis tout en haut et il y a un truc pour un endroit pour qu'un hélicoptère se pose. Et il y a une caisse. Ouais. Et si tu trouves des objets, tu les récupères. T'inquiète pas. Moi, je trouve une caisse. Il y a une lampe, elle est trop stylée. Wow. S'ouvre de l'autre côté. C'est bizarre quand même pour un paquebot qui a échoué toutes ces caisses qu'il y a dehors. Ouais, je sais pas, ils ont dû tenter un truc. Ouais, c'est parce que avec en fait faut merde Samson. Regardez avec ouais, avec avec l'histoire quoi. Ah. Avec l'histoire en fait les mecs ils survivaient sur le bateau et voilà, ils ont eu l'infestation de rats et ils ont dû se barrer en vitesse donc forcément il y a des choses qui sont restées. Monter là-haut. Waouh. Est-ce que t'es fermé de l'intérieur? Attends. On peut pas passer par là. Ah oui, il y a des œuvres d'art. Je dois être sur le pont, si. Moi. Attends, on va pouvoir passer, monter. Hop là, voilà, ça y est. Oh, il y a quelque chose derrière cette porte. J'ai trouvé les platines de DJ, c'est bon, on pourra mettre de la musique. Ah, super. Magnifique. Coucou. Bonjour, Tunsen. Eh ben dis donc, ah c'est ultra sombre. Ouais. Et en plus, hein, il fait nuit, donc c'est ouais, je pense que c'est pour ça aussi. Mais ouais. Pas évident. Je pense que le jour va pas tarder à se lever là, parce que la nuit elle, enfin, la lune elle. Hop, je joue le Yamakasi. Get out. Do your job. Ok. Encore. Putain, j'aime bien le style des lits là, des lits chambre double avec la literie qui est rouge. C'est tout ce que j'aime. Trop bien. On va essayer de. Il y en a un de chapeau de bonheur. Oh, il y a un coffre fort, je crois. Aïe, vilain rat. Ah, toi aussi. Mais va mourir. Oh non, je suis pas dans la bonne pièce. Ouch. Naze. Je voulais aller aider le sage, mais j'étais pas dans la bonne pièce. C'est pas grave, j'ai réussi, j'ai gagné le combat. Ah oui, bien cru. Ah, une petite décoction, je veux bien boire. Je veux bien manger, j'ai les sommets qui gargouillent. Un code à 4 chiffres. Ah, génial, il y a des jeux de pistes. J'adore. Ah oui, il fait nuit noire, là. On voit que flic. Et là-bas, il y a quoi? Bon, je vais faire un truc de bouffe, mais apparemment, il est périmé, le truc. Oh, j'aime ce qu'il y a sur les murs du paquebot. Il y a des notes là sur la table, s'il y en a qui veulent les prendre. Ah, il y a des. J'ai trouvé le truc à 4 chiffres pour le coffre, je crois. Ah, je t'écoute, Christella. Ah, attends, il faut que je présume qu'il faut que je le prenne. D'après, c'est écrit, c'est 0451. Oh, génial. Bien joué, Christella, merci. On a une note et on a un instrument qui sont des fils électriques. Ah, ça, c'est ce qu'il va nous falloir aussi pour. La construction. Oui, il fait jour, on va un petit peu mieux voir. On a la balle, on a la bonbonne. Est-ce que il nous manque quelqu'un qui peut monter tout là-haut? Il nous manque le briquet. Non, je monte dans les poches. J'ai une porte qui nécessite une clé d'accès là. Je sais pas si quelqu'un a trouvé. Un navire vide en haut, c'est cool. Je pense qu'il va nous sauver. Ah oui, carte d'accès, ça c'est. Voilà, c'est là où Christella est passée. Ah, si encore, ah, si on peut monter là-haut, mais je sais pas, ah, il va me falloir.
Ah, ça y est, j'ai trouvé la, j'ai trouvé la clé d'accès. Ah, faire, moi. Ah ouais. Okay. J'ai trouvé la clé d'accès, mais j'ai pas trouvé que ça. Et Laura aussi avec. T'étais au-dessus, c'est ça? Ouais. J'arrive avec petit Seb sur la partie supérieure. Ah ouais, bien vu. Ah, il y a un peu de lumière là, moi. Je vous laisse la ramasser, hein. Je vous laisse bouffer. Tiens, vas-y, le sage, je te laisse la carte. Il y a la carte d'accès, là, hop. Oh, pour la porte qui est un peu plus bas. La porte qui est un peu plus bas. Juste à l'étage d'en dessous, en fait, tu t'es dépêché de monter, mais juste à l'étage d'en dessous, il y a une porte où il faut la carte d'accès. D'accord. Donc ce serait cet étage. Ah ! Ouais, encore un part, oui. Oh. J'ai l'endroit où il faut utiliser le cri au-dessus, si vous voulez. Ouais. Mais là, maintenant, ça serait bien que vous soyez tous les trois ensemble pour découvrir. Ça serait cool. Oui, on va se... Mais vous êtes tous en bas ? Donc là, c'est par là, je crois, le sage. Ouais. La clé avec la... Hey, coucou, Andrézitou, comment vas-tu ? Personne dort aujourd'hui, ouais. Ok. Attends, mais je vous vois même plus. Alors, vous êtes à quel étage ? Bah, on est à la porte verrouillée par la carte d'accès, donc on est au l'avant-dernier, mais par le haut. L'avant-dernier ? On est en haut, Au premier au deuxième étage. Ouais. Pardon. Alors attends, il faut que je rentre. Oui. Mais vous êtes monté de l'intérieur. Oui. Oui, oui. Mmh. Ah oui, parce que moi je passais par l'extérieur. Mmh. Ah, oui, non, on a monté par l'intérieur. Parce que par l'intérieur, tu peux ouvrir les portes qui donnent à l'extérieur en plus. D'accord. Ah, le rat. Mmh. Attends bien, je te cherchais. Il faut monter par là. Ok, ça marche. Eh bien, quelle aventure. Je suis... J'ai l'impression d'avoir changé de jeu, en fait. C'est... Il est où, Torota? Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bah, il va, voilà. Ah, mais j'ai utilisé le cri que pour faire tomber le coffre. Ah, et c'est pour ça que j'attendais tout le monde, moi, pour... Il n'y a pas grand chose, il y a des caisses. Et un texte. Cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the city's project does not appear to be slowing down anytime soon. Oh, la salle de bain, je peux l'utiliser, s'il vous plaît? We are fully aware of the strain au bout du couloir, j'y suis pas allé. Nevertheless, our options are limited. We must pull through this together, or join Stockholm beneath the waves. Wilstrom refused to comment on the rumors regarding the modification of his personal yacht. When further asked about the floating city project's whistleblowers, Olaf Wilstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further... Wow, mais c'est trop stylé! C'est la bibliothèque du Capitoune. C'est quoi sur le meuble? Ah, clé verte. Wow. Ah ouais, la clé verte, c'est juste au-dessus. Ibi. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, là. Oh, j'aime beaucoup le tableau, là. Il est magnifique. Ouais, donc là, faut juste prendre les escaliers qui sont juste derrière avec la clé verte. Suivez le guide. Attends, le sage de Nancy est toujours dans la quête. Ah ouais, pardon, j'ai mis un tabou les livres. Je pense qu'on lui donne trop d'émotions ce matin. Oui, je crois. Oui, c'est vrai. Je suis complètement. Alors, non, c'était pas. C'était là, là. C'était voilà. Là. D'accord. Ouais, c'était cette pièce-là. Ah, d'accord. You Laura. Ah, il est là. Aïe, il m'a sauté dessus, ça veut dire. Ah, il est plus gros celui-là. Ah. Enfin, j'ai l'impression. Oh, il y a encore une. T'as eu combien de viande là ? Une. Ah, caisse. Planche. Oh, hein. Jacuzzi, venez les filles, on y va. Il y a un bouquet. C'est quoi? C'est... Hein?
Alors, t'as dit, Torota, t'as dit les filles, tu parles de qui? C'était pour tout le monde, il y avait un jacuzzi. Tu sais, t'aurais dit la fille, tu vois, on aurait pu comprendre que voilà, t'essayais de. Avec qui t'es là, mais. Là, Après, on va me faire passer pour un gros pervers après si je parle qu'à Christella, donc. Ouais, non. Alors, comme ça, en absence, le requin il a eu ses amuse-gueules. Qui c'est qui s'est fait croquer l'autre jambe? Bon, je vous laisse monter tout en haut. Je vais. Nécessite une bombe. Mais je vais aller vous faire. Ici, il faut que la crafter, oui. Merci, Nayonet. Bon jeu à toi. Salut, Nayonet. Bon RTS. Attends, Christella, je pense que. Si ça m'est descendu, crafter la bombe. Ouais, je suis descendu crafter la bombe, comme ça vous avez pas besoin de descendre. Enfin, faut que je retue les rats qui respawnent au fur et à mesure. Ah merde, j'ai plus de fait dans ma gourde. Ouh, je vais retourner au navire, moi. Ouais, mais attends, on a presque fini le. Je viens de boire ma boisson délicate à la noix de coco, j'ai une extension de barre de flotte. Je suis ultra hydraté. Attention, planque boum. Ça va péter. Oh, ça y est. Mais voilà, j'ai pris les dégâts. T'es à terre ou pas? Non, c'est bon. Je copie que ce Vasagatagami. Ah, c'est le nom du navire, le Vasagatagami. Ah, voilà le temps que tu attends. Attends, Torota, parce que là, je crois que vous avez perdu le sage qui est avec moi au lieu d'être avec vous. Ah, il y en a deux même. Ah, c'est les deux plans que tu attendais en plus. On va les laisser. Ouais, tu auras le temps de tout visiter après. D'accord. Excusez-moi. Mais effectivement, le pont, de toute façon, je suis même pas sûr qu'il y ait grand-chose. Il doit y avoir un peu de plastique. Oh, il y a des portes à faire sauter là, qui ont été barricadées. Je l'ai perdu. Et j'ai perdu le sèche. Je sais pas où. Oh, le sage. Nayonet qui dit à Christella, salut, des bisous, bon voyage en croisière galère. Alors, plus ça va, plus le sage descend. Ah oui, pardon. Montez. C'est quoi ça? Ah, c'est un déchet, merde. Ah, oh, présentez bien, Capitoun, c'est beau. Allez, j'arrive. Allez. Fais alors se bénir, hein, le sage. Non, mais en fait, je crois que je vais... Je vais lui mettre une laisse pour qu'il nous suive. Oh. Putain. On est vilain. Ah, encore. Putain, hein. T'as respawn toi encore. C'est fou. Ah, ça m'a donné faim. Tu m'étonnes. Téléphone rouge, Et là, il faut faire que monter. D'accord. Et là, il y a Torota qui a tout fait péter. Oh, t'as vu quelle violence, franchement. Envie, alors. Voilà, on te laisse ramasser tout ce qui traîne, t'as le droit. Ah, mais qui Par contre, petit Seb, je vais avoir besoin de toi, c'est juste pour récupérer ce qui est en haut. Ah oui, téléphone rouge. En haut? Ouais. Là, il y a une belle vue sur le bateau que vous avez construit. On voit en effet qu'il est très... Ah, c'est bon. Tu vois, ici, t'as... Attends. Moi, j'arrive pas à monter. Qu'est-ce... Ah, est-ce que je peux passer, grimper par ici? Je sais plus où poser mes yeux, tellement quelque chose. Et regarde, viens voir, bon. Le sage, là, regarde, viens voir. Tiens. Regarde le bateau qu'ils ont construit de loin. Waouh. Ah ouais, t'as raison. T'as vu? Mon dieu. Mais il est stylé en plus, c'est ça qui est dingue. Il est magnifique. Waouh, c'est fou ce jeu. Tiens, on voit une mouette au loin. Oui, donc ce que je disais un peu plus tôt que j'ai pas eu le temps de finir, c'est qu'avec Torota, on a fait un stream spécial. Ah. Où j'ai créé un monde en créatif en fait pour travailler sur la forme du bateau. Oh! Ah, faudra que je regarde la rediff à l'occasion.
Voilà. Mais j'ai attendu, je l'ai posté que hier, je crois. D'accord, d'accord. Et ce matin, j'ai posté la rediff de notre aventure à 4 avec Stella. C'était samedi dernier, je crois. Mm-hmm. Ah, moi, toutes les bêtises, toutes les bêtises qu'on a fait. Ah, alors, pas toutes, parce que je suis parti avant la fin. Mais du coup, c'est bien, ça m'a gardé la surprise pour la fois d'après où je me suis connecté. C'était très drôle. Y a pas un défi, c'est de monter par-dessus le... Non, ça glisse trop. Alors, tu dis ça, mais il y a 3 secondes, on était tout en haut avec Torota qui avait trouvé un coffre. Que je pense je n'avais pas récupéré dans ma partie parce que j'étais pas monté du pro. Ah, comme quoi. Mais je pourrais toujours aller vérifier. On devine une vigie ou un truc, une antenne là pour avec une échelle pour l'entretien électrique. Mais pour y accéder, on ne sait pas. Oh. Donc, c'est suggéré, mais c'est pas clair. Le bouillon de tête. C'est dommage que Jen ne soit pas là. Ouais. Ah mon dieu. Bon, moi je vais retourner au navire me vider les poches là parce que on a plein de trucs. Oh c'est fou. Ouch. Waouh. C'est. Alors là, je suis sans voix. Hein. Pardon si j'anime mal aujourd'hui, mais. Je suis bluffé, c'est ça. Je suis complètement bluffé. Eh bien, on va pouvoir déposer nos trouvailles. Tu m'étonnes. C'est ça. Wow. Hop là. Ah, c'est bon, j'ai mon repère. Hop, je vais aller dans la cuisine pour déposer recette. Ah oui, tu peux. Alors, j'en ai 2, mais je sais pas si les 2 on les a ou pas. Non, j'en ai 2 aussi. Hop. Ouais, mais j'ai un truc à boire, tu vois. Allez, voilà. J'ai dépassé la limite. C'est cool. La centrifugeuse, est-ce qu'il y a... La toutes les boissons se font la centrifugeuse, hein, c'est les deux petits trucs qui sont ouais. Là. Ouais. C'est juste que je regardais si on l'avait ou pas le. Ah bah moi j'ai 2 recettes de boissons, j'ai eu melon rouge et cocktail aux fraises. Oh. Oh c'est trop bien ce confort, c'est énorme. Ah moi j'ai smoothie argenté. Banane, papaye, coco. J'ai le même. Ah ouais. J'ai exactement. Omelette de champignons. Comme je vois pas la nuit. Tu es donc pas doué de nictalopie, ouais, comme on dit. Est-ce que vous avez, je pense, vous avez pas eu le succès de... De quoi? D'avoir toutes les morceaux d'histoire du bateau, non? Si, 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 je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez récupéré toutes les notes du Vishkaj Konshi. Il y a 17 tout à l'heure. Vasagatan. Le Vasagatan, pardon. Pigavoshki, d'accord. Ok, ok. Donc, voilà, enfin, il y a un truc, c'est surtout toi qui l'attendais. Torota, c'est la barre qui va nous permettre de tourner le bateau dans le bon sens pour être toujours face aux objets qu'on veut récupérer. Magnifique. Du coup, l'atelier, il est là. Ah, parce que il y a un pilote parce que je voulais, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, je suis tellement estomaqué, bluffé que vous aurez remarqué que je fais même plus de vannes. Je suis waouh, vous m'avez neutralisé, mais alors on a réussi. Ah, ouais, non, mais là, donc. J'ai le biocarburant. Si ça te dit, Tisseb, je sais pas où tu veux que je le mette. Ah, mais t'en as récupéré en fait dans le bateau, c'est ça? Ouais. Je le mets avec les lingots parce que pour l'instant. Oui, mets-le avec les lingots pour l'instant. Cool.
mettrait des musiques. Le sage, il met de la musique. C'est trop bien. Ça veut dire qu'il y a encore une station qui émet quelque part sur la planète. Mon dieu, ce rocher fait peur. Mais je pense que la radio a un autre rôle aussi, mais à voir. Je ne sais pas si Seb peut me confirmer ça. Je m'en rappelle plus. Donc, il y a trop de trucs sur ce jeu. Il y a trop de trucs. Tu m'étonnes. Ah, vous avez trucidé un des oiseaux qui balance les pierres. Oui, je l'ai fait parce que j'avais une dette contre lui. Enfin, une dette, que dalle. C'est qu'il m'a cassé la tête avec ses lancers de pierre à la 2. Oh. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, tu vas me le faire. Allez, okay. Il n'y a pas de pitié. Le pief, c'est bon. Et voilà, la barre est dans la cabine. Oh. Bah, tu peux changer, hein, si tu veux. C'est 43,89. Voilà. Ah ouais, il y a carrément un mât qui est apparu en bas. Enfin, oui, alors en fait c'est la barre de la barre de direction du volant qui doit traverser tout le bateau avant. Ouais, c'est ça, ouais. Et on est bon. Et elle est à bâbord. Ouais, elle est tout à gauche. Il y a un endroit pour mettre toutes les recettes de cuisine. Il y a un coffre ou... Bâbord, ouais. Non, ouais. En fait, les recettes de cuisine, je les ai accrochées à la cuisine. Ah ouais, je vais faire ça. Premier. Voilà. Après, de toute façon, on les retirera comme on veut, mais... Ah oui, le smoothie argenté. Alors, le smoothie argenté, on va le mettre de l'autre côté. Ah, d'un côté, les smoothies, l'autre côté, les... Oui, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes machines. Là, le smoothie, c'est avec les machines par là, donc... Pardon, j'aurais dû couper le micro, excusez-moi. Non, c'est pas un paquebot qui passe tout proche et qui nous salue. Non. Donc, après le fraise, on a déjà. Et melon rouge, on a aussi. Donc, les demi-heures, je vais les mettre à la poubelle. Parce qu'on les a déjà. Oula. Hey, il y a du hard rock à la radio, là. C'est moi ou je rêve ? Faut les manger. Faut manger les restes. Allez, hop, là. Ça fait rien du tout, faut les manger. Vous voulez retourner fouiller un peu le bateau ou pas ? Ah, ça il faudrait des lampes, non ? Avec non. Des lampes, il faudrait qu'on oui, y voit un peu mieux. Je sais pas ce que vous avez tout pour construire. On est sûr pas qu'on avait tout trouvé. On a récupéré les schémas. On a récupéré les notes. Les notes, donc normalement. Après, peut-être si vous voulez aller retuer d'autres rats pour faire le plein de steak. Bon, en vrai, en bouffe, on a assez. Vu ce qu'on a en réserve. Oh, choupignou. Ah, j'adore les animaux, ils sont trop bien modélisés. Mais c'est triste, les lamas, là, ils regardent vers le sol, on dirait qu'ils sont déprimés. C'est juste qu'ils ont pas l'eau pour... Oui, arrose l'herbe qui est à leurs pieds, ça va pousser, et puis... Oui. Oh, ils me font mal. Et voilà comment on tue un rat sans se faire toucher. Ah oui, au fraîche, attends, j'ai un petit peu d'eau. Mais ouais, moi je suis prêt à refaire un cirque, un cycle. Oui, parce qu'un cirque... Oui, aussi, par accident, oui. Je pourrais, j'avoue. Après, normalement, il n'y a pas forcément besoin de trop humidifier l'herbe, parce que quand on prend le large, après, ça s'arrose tout seul avec l'eau qui traverse le bateau. Donc. J'adore. C'est trop bien. Ils font toujours la tête, hein.
Oh. Oui, mais faut le... En fait, ils font la tête parce qu'ils ont faim. Donc l'eau en fait que vous versez, ça arrose, ça va pousser. Quand l'herbe aura poussé, ils vont manger et là ils feront plus la tête. Ah, ah ça y est, ça pousse. Voilà. Non, non, ouais, non, on a tout récupéré. Hein. Hop là. Et nous voyons petit Seb. Bébé. Dit El Capitoun. C'est ça. Oh. Eh bah. Levez l'ancre. J'ai beaucoup de voilà. Plastoc. Attendez, le plastique il est là. Ah, regarde dans celui-ci, le dernier, le quatrième, s'il y a de la place. Ouais, c'est bien. Nickel, ouais. Merci. Je lève l'encre. Ok. Ah bah c'est bien, j'ai un lot de planches nouveau pour ma cuisine. J'ai le combustible pour mijoter de délicieux petits repas. Ya 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 ya. Ça y est, je commence à prendre mes marques. C'est bon ça. Bon, le vent n'est pas favorable pour aller dans la bonne direction. Hop. J'adore. Non mais en fait, mets ta voile droit devant. Vraiment. Non, là t'es à l'envers. Hey. Voilà. Je vais prendre ça. Ah, t'as plus besoin de... Non, c'est toi, tu fais tourner jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que le fanion, il te mette que tu t'es dans le bon sens, en fait. Et oh. Comme ça, t'as plus besoin de tourner la... Alors, le... en fait, ça fonctionne comment? C'est... Donc, t'appuies, tu maintiens ta touche, tu ouais. Décales ta souris, ça tourne dans un sens ou ça tourne dans l'autre. Oh. Par contre, d'accord. Il faut bien que tu ramènes la barre au milieu avant de relâcher pour pas que ça continue à tourner en permanence. Ok. Coucou, Lynn. Bonjour, Lynn. Et c'est pour ça que je te mets le fanion, c'est pour que tu saches. Ouais. Après, le temps qu'on se dégage, peut-être que ouais, je vais tourner la voile le temps qu'on se dégage. En fait. Ouais, c'était surtout pour ça. Parce que le récif, il est très beau, mais bon. Voilà, mais en fait, comme on est dans le sens inverse, je pense qu'il va falloir ramer, de toute façon. Ouais. Alors, attends. Je remets la voile droite. Parce que j'ai déjà joué avec le vent pour me dégager. Sachant que le vent, il est par là. Ouais, je te laisse faire. Attends. Hop. Il faut que je remplisse ma gourde. Elle est même pas à moitié vide, mais il faut que je remplisse. Là, je suis en mode touriste. Je regarde l'épave métallique au moment où on s'apprête à partir. On voit la houle. Alors, c'est fou comme la houle est plaisante quand tu te sens en sécurité, en fait. Ah, c'est... Comme ça. Wow. Ah non, c'est bon. Ça avance. Alors, oui, c'est vrai que j'ai un nouveau steak puisque j'ai tué un rat quand je suis retourné sur le bateau. Il y a des motos dessus. Ça. C'est génial. C'est incroyable. Hey, coucou Aerostar. Comment vas-tu? Bonjour Aerostar. Salut Aero. Salut Aero. Attends, je suis l'arrière. Attends, ma cuisine est au-dessus. Y a besoin de pagayer pour faire bouger le bateau ou pas? Ouais. Sur la gauche du bateau, faut pagayer. Faut pagayer un peu. On va faire ça. Là, je me sers du gros rocher pour faire tourner aussi le bateau. C'est toute une mécanique. Après, normalement, si tu tournes la barre, il y a moyen de faire tourner le bateau sur lui-même
aussi, je pense. Ah, mais oui, ils sont mignons, ils sont contents. La tête bien haute, bien droite. Alors, il me faut 30 lingots de métal. Ah, je les aime bien comme ça. Cette tête. Mais si tu veux des pagayes, il y en a dans les coffres. Tu me trouves. 30 de cordes. Alors, c'est vachement bien, mais la fenêtre, elle est tellement haute que je vois strictement pas où je vais. C'est cool. C'est trop bien. Alors, nourriture crue. Au niveau RP, c'est bien. Au niveau utilisation, c'est à chier. Et surtout qu'en plus, même si tu pouvais voir droit devant la barre, j'ai mis une antenne juste de... Non, mais c'est là, c'est bon, tu peux... Attends, c'est quoi la recette? Attends. De toute façon, je vais finir ce que je suis en train de faire, ça va t'aider. Du coup, je suis monté trop parce que je voulais le bois. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks de bois. Et maintenant, on comprend pourquoi les coffres se vident aussi. Ah, ça bouge, on est encore coincé. Ouais. Je fais mon marmiton, j'apprends. Eh ben, on a vachement bien avancé depuis tout à l'heure. C'est vachement cool. T'inquiète pas, je vais faire un truc, ça va nous faire avancer. Ça y est, apparemment, on est décoincé. Je vois ce que tu vas faire, oui. Ça, là, et il me manque... Costa Concordia, un réseau qui vous fait visiter les îles. Oui, il y a Rose, Aeroster qui vous salue tous nominativement. Salut. Comment il va, Maître Hibou? Mais comment va Maître Hibou? Bonne question. Ah, requis un bol en argile. Ouh, j'ai pas vu ça dans mes affaires. Allez. Alors attends. Ah merde, je descends de l'autre côté peut-être. C'est ouf. Je vois que Au secours. Mais là, c'est bon, on est dégagé de l'île. Mais là, t'es en train de tourner pour y revenir là, dans l'île, sur l'île. Oui. J'ai un effet Gerbotron là. Oh là là. Ouais, là, c'est bon. Stop. Voilà, on part de l'autre côté. Je crois que je vais rester sur la bonne vieille voile. Là, comme dans les dessins animés, mes yeux, ça devrait être des spirales en rotation, là. C'est... Ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon, là, ça va. On va laisser passer l'île d'abord, hein. Des baies rouges, j'en ai eu un peu dans ma partie solo. C'est bon. Alors attends, il m'a dit un bol en argile. Donc il me faut de l'argile. C'est quoi ça? C'est du cuir. Oh, mais qui c'est qui avait dit qu'on n'avait pas de batterie? Ah, elles sont épuisées peut-être. Elles sont vides. Ah, et en fait, je veux, comme on peut les recharger au bout d'un moment, en fait, je veux pas les plus. Ouais. Très malin. Très malin, je devine, ouais. Oh, notre ghetto blaster. Trop bien. Ouais, il y en a deux. Le shit dans ma chambre. Yeah. Pirate. Yeah. Allez, hop là. Voilà. On est bien droit et on est bon. Du biocarburant, du lingot de métal.
Comment je fais mon bol d'énergie? Merde, j'ai pas vu la ressource. Alors attends, je vais me reposer devant les écriteaux pour les lire. Le bol en argile, tu le craftes dans ton inventaire, le seul. Ah, merci. D'accord, j'étais prêt à tourner en rond encore. Ah oui, je le vois. Il faut de l'argile. Bah oui, c'est les... tu m'étonnes, c'est logique. Ouais, il va falloir juste qu'on se surélève un peu. Alors attends, je sais ce que je vais faire. Est-ce que je peux me crafter ça? Level up pour Plégor, Petimio. Merci pour vos lurks respectifs. Oui, bonjour aux arrivants, ceux qui nous regardent sur les différents canaux respectifs. Oui. Attendez. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre. Oh, trop bien, je peux me faire des smoothies. On a ce qu'il faut. On a plein de coco, j'adore. Mais je vois pas l'argile. On a plus d'argile? Si, si. Il est dans le coffre qui est tout devant normalement. Ah bon? Là où est Christella. Là où est Christella. Moi, il y a de la terre dans celui où je suis. Non, il est pas. Ah. Ah, donc il est là. Le coffre qui est ici, là. D'accord, merci. Panneau. Ah oui, d'accord. On fait des profondeurs. Okay. Merci. Voilà. Comme ça, je me fais 4 bols. Je vais enfin pouvoir retourner en cuisine récolter ma recette. Non, j'ai fait une soupe d'eau aux légumes. Ah d'accord, ça fait un bol et... Oh la vache! Je m'attendais à avoir plusieurs rations comme... Oh la vache! Ah ouais, je vais rester souvent en cuisine! Wow. Bah tiens, je vais le savourer mon propre... Je goûte mon... Oh! Oh! Ça nourrit bien! Wouh! Oh, ça vaut le coup par contre, les plats cuisinés. Ah ouais, mais voilà, c'est bon. Ah, j'ai de quoi... Eh, comme je vais rester souvent en cuisine, le ghetto plaster, je le mets en cuisine. Allez hop. Comme ça, je vais vous cuisiner des petits plats en musique, ça va être trop bien. Oh, les milkshakes, ils vont se faire tout seuls. Je vais tellement être cadencé dans les Zamba Music FM, là, ça va être trop bien pour moi. Zamba Music FM. Attends, comment je refais? Ah bah non, j'ai rangé mes ingrédients, mais Kinigo je fais. Non. Je vais essayer de me faire un smoothie aux noix de coco. Alors, frappez coco, 3 noix de coco, une betterave. Je vais essayer de le lancer un petit peu. Oh là là. Ouf. Ah puis j'ai mis en même temps, on récupère des trucs encore. C'est génial. J'adore ce jeu. La mécanique de jeu, je l'adore. Hop. Ah ben voilà. T'es dans le bon sens là? Oui. Alors, attends, je vais refaire des bonnes. Comme je vois une île, je vais esquiver. Je me suis trouvé de la hauteur. Je me suis crafté une table. Je suis sur la table et je pilote. C'est beau. Wow. Ah bah ouais, sinon je suis trop petit et je vois un mur. Il faut ce qu'il faut. C'est trop drôle. Alors, nourriture crue. Betterave, il me faut. Il faut des pommes de terre, il me faut des noix de coco. Oh, je suis trop content d'être cuistot. C'est l'éclat total. J'adore. Après, quand on aura avancé un peu plus, je la réarrangerai bien comme il faut, t'as fini ça. Wow. Si jamais tu croises une grande île, Torota, par contre, je suis pas mal. Ok. Alors, je recommence. J'avais fait comment? J'avais fait un là, un là. Un là. Ah, ben ça, c'est de la viande crue. Un là, et... Pouk. Trop bien. Cuisine. Et de l'autre côté, je vais faire ma boisson. Le coco, je sais plus quoi là. Le frappé, voilà. Le coco. Alors, 3 noix de coco.
une betterave. Et c'est où le bouton déclencheur du mélangeur? C'est là. Donc j'ai fait ce que tu pensais et j'ai tout chargé à fond, toi. Ok. Ah, il faut une batterie. Je peux pas me la faire. Et oui, c'est électrique le truc. Tant pis, il sera pour plus tard. Bon, j'ai déjà posé les ingrédients. Oui, oui, ça dérange pas. La 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 la. Ta 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 ta. Trop bien. Capitoun, Capitoun. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Christella? Non, non, mais il y a... on est en train de se... s'échouer sur encore une petite île, là. Ah. Capitoun, Capitoun. Un jour, on aura tellement de matériel, j'aurai mon petit chariot pour déambuler dans le corridor du navire et servir les plateaux repas. Je mettrai mon petit nœud papillon pour l'occasion, pour les soirs de grandes fêtes. Eh bien, le bateau va se transformer en EHPAD. GG. Oh non. Vous avez baptisé le navire là parce que attention, ça devient dangereux. EHPAD Torota, c'est votre dernier voyage. Alors. Christella, t'es devant ou pas? Je suis sur un pont sur le côté là. Tu veux pas aller jeter l'ancre, s'il te plaît? Oh, attends, c'est génial. J'y vais. Waouh, ça carbure en cuisine. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Les 5 plans de travail qui carburent. Tu peux la relever. C'est bon, je peux la relever? Ouais. C'était juste le temps que j'utilise ma hache jusqu'au bout pour ramasser un max de bois sur les arbres. Parce que là, charger les 6 moteurs, bah, j'ai utilisé 6 stacks de bois. Mais j'ai un stack de bois là que je peux mettre. Oui, non, mais après on a la réserve au-dessus. Hein. Merde, faut que je rajoute des planches. Merde. Et hop là. Et heureusement que j'ai fait 5 ateliers de cuisine, hein, parce qu'ils fonctionnent tous. Hein. Oui. Ah, ça prend son temps, alors pour pas faire de jaloux et vous nourrir tous en même temps lors de la distribution du repas, c'est pas du tout. Par contre, je vais me faire une lanterne. Le cinquième coffre, c'est là. Celui d'avant. Parce que je me flingue les yeux. Oui, il faut pas hésiter, hein. Surtout que les petites torches. Après, même si vous faites des torches en métal, de toute façon, moi, c'est ce que je vais utiliser pour éclairer le bateau à la fin. Wow. Je les déplacerai juste quand je voudrais mettre tout ça. Pour nice. D'ailleurs, je glisse la requête si Roster nous écoute. De comme on est à bord d'un navire et tout à l'heure il y avait une ambiance assez horrifique parce que c'était une épave abandonnée où il y avait quasiment plus de lumière. Si à l'occasion, vraiment d'ici les fêtes, tu pourrais nous gratifier d'un petit monstrum, s'il te plaît, héros, je pense que ta communauté serait ravie. Ouais, mais je peux le faire moi aussi. Ah, je savais pas. Ah, c'est intéressant ça. Je l'ai déjà fait. J'ai jamais réussi à gagner une partie, contrairement à héros, mais en même temps, j'ai joué qu'une seule soirée. Mais... Ah, sympa. Je vais utiliser ça. Dans la petite eau. On est toujours plein en plastique. Ah, voilà, ça me tuera moins les yeux. C'est rigolo. Bon, j'ai le temps de me promener dans le navire, là, le temps que ça cuise. Ah non, ça veut dire que c'est déjà prêt. Ah mince, j'ai pas vu que... D'accord, quand le couvercle a sauté, c'est que c'est prêt. Ouais. D'accord. Ah, je vais pouvoir vous distribuer des soupes de légumes. C'est bien, c'est un bon. Mais là, il faudrait construire une grande île, ça serait bien. Mais je pense que je vais quand même finir par refaire des batteries, parce que on va en avoir besoin pour le compacteur. J'adore la musique du Ghetto Blaster. Je sais pas, il y a des foufous qui chantent. Ah ah.
Le Harbouk me fait rire. Oula, faut que j'arrête d'avancer avec un bol en argile vide dans les mains parce que j'ai l'impression d'être un mendiant. Y avait pas une petite pièce, s'il vous plaît. C'est horrible, ça fait misérable. Ouais. Oh, mon plonge Dieu. Ton bol dans la mer, t'as de l'eau. Allez, ah oui, alors, ça oui, oui. Un microcosme qui s'offre à moi. Ah oui, j'ai l'air, pourquoi s'ouvrir sur le côté? Ah, t'essayes de choper des trucs qui restaient là. Ouais. Oh mon Dieu, il est là le squale. Ouais, ouais, il est là donc. Ouf. Oui, petit cèpe s'occupe des animaux. C'est bien. Juste à peine, parce que. En fait, c'est ça. Non, il faut que je trouve une radio pour le pilote aussi. Ouais, t'en veux une? Je t'en monte une. Hein. Ah, bah avec plaisir. Merci beaucoup. Bah attends, je vais enlever celle qui est vers l'encre. Wow. Wow. Parce que le sage a récupéré celle qui était dans oui, les. Oui, je ramasse. Wow. Non, non, mais vas-y, hein, tu fais bien. Ah, ouais, avec moi, c'est pas perdu. Après, nous, tu vois, le plastique, les feuilles, par exemple, on est plein au niveau des coffres. Ah. Nous, on met tout à la poubelle. Hein. Ah ouais. On est vraiment... On a atteint la zone de confort. Quoi. C'est les ressources que tu retrouves assez facilement. Mais c'est pas comme le bois où tu trouves soit que en mer, soit sur une île avec les arbres. Mais les arbres, ça t'apporte rien. Oula. Donc, l'eau est montée beaucoup. Là. Ah, merci. C'est trop bizarre. Ouais, j'ai la synchro qui se fait pas et qui m'empêche de tuer les mouettes, ça me saoule. Ouais, c'est frustrant. Attends, je vais monter au contrôle du bateau avec le vice-capitaine. Non, non, parce que... C'est pas une musique, ça, c'est quelqu'un qui fait un appel de détresse. Bizarre. Et le sage. Ouais, il va falloir qu'on refasse une bataille. Oui. On essaye de rejoindre une grande île. Ok. Pour l'instant, on va être biaisé, il n'y a rien devant pour l'instant. Ouais, mais tu sais, on remonte la voile et puis on lance le moteur. Hein. Ah, mais. Il y a combien de moteurs là pour l'instant? 6. Ah oui, déjà, bon, ben oui, ok. Oui, oui, oui. Ah, non, mais. Je suis pas venu pour enfiler des perles. Hein. Non, mais comme là je suis en train de piloter, je vois plus rien. Donc du coup. Ok. Attention. Hop. Donc direction ouest. Babord. Normalement, si tout va bien. Si le compte est bon. Let's go. Et c'est parti. Les moteurs tournent plein pot. La vache, oui. Je suis à l'extérieur, je dis pas se pousser d'un coup qu'il y a eu. Par contre, le bateau, il avance de travers. Hein. Je sais pas si c'est normal. Mais... Oui, oui, mais ça, c'est normal. C'est le second capitaine qui fait un peu n'importe quoi, on va dire. Il s'entraîne à la barre, il a pas l'habitude. Hein. Il a l'habitude de diriger le radeau. C'est bon, on y va droit dessus, mais on s'éloigne. Le requin, il nage aussi, aussi vite que le bateau, maintenant. On va presque à la même vitesse que lui. Décale légèrement sur la droite. Voilà, on revient. Ah, on est pas mal, là. On va attendre un peu, mais on va se rapprocher. Merde, j'ai mangé un truc cru. Oula.
Il y a de l'accordéon. T'es pas resté décalé sur la droite, là? Non. Décalé encore sur la droite. Non, à peine, vraiment à peine. Voilà. Et vous êtes à l'écoute de Yvette Turner FM. Yvette Turner FM, la station qui vous reboot la moumoute. Je vais aller m'occuper de maintenir le carburant dans les moteurs. Comment c'est plaie du jour. Il n'y a pas trois lignes. Non, c'est pas grave. La nuit du chef, allez hop, ce sera bien. Oh, les ressources sont blindes. J'ai un truc cru. Qu'est-ce que j'ai plus? Ah oui, c'est que j'ai pété la hache, donc j'ai plus la hache, c'est normal. C'est normal. Ouais, on a trop de pierres aussi, on a un coffre complet. Allez hop, poubelle. On a fermé comme des fous. Donc nous, quand nous sommes arrivés à bon port, on peut débarquer ou pas? Non, pas encore. Ah. Mais on va y arriver plus vite parce qu'on se dirige plus au vent, on se dirige avec les moteurs. Oh, magnifique. Voilà. Mais quand on construit un moteur sur RAF, c'est un moteur, ça peut faire avancer sans fondation. Donc nous, pour faire avancer le bateau, il nous faut 6 moteurs. Wow. Ça veut dire qu'on a plus de 500 fondations. C'est énorme. Ah bah c'est comme d'habitude hein, quand je construis j'ai essayé de faire petit. Je vois. Oh. Normalement il y a une grande île là. À bâbord dans pas longtemps, à 440 mètres. Ouais, on a fait la moitié du chemin, on était à un peu plus de 800 au début. Ouais. Hop, je vais me décaler vers l'île. Oui, tu te décales tout doucement, toujours un petit peu plus sur la droite, quoi. Mais sans vraiment être pile dessus, parce que tu sais jamais si tu vas pas repasser dans l'autre sens. J'essaie d'apprendre d'autres sets. Il va falloir qu'on se remette peut-être à pêcher aussi. Oh, bonne idée. 360. Ouais, y a plus de viande déjà? Si, mais c'est juste histoire de pas rester sur nos lauriers trop longtemps, je dis. Mmh. Ah, mais la voilà, Lille, je la vois. Hop. Poulain. T'as qu'à couper les. Non, hop. Est-ce que t'as le vent dans le bon sens pour l'atteindre? Non, pas du tout. Donc, on laisse les moteurs. Après, quand on arrivera vraiment pas loin... Ah, dommage, j'y aurais pas assez. Je pense que je peux faire quelque chose... Tourne à droite, on va essayer de rejoindre l'île directement... Sur la droite, là, il y a un endroit où on peut accoster, je pense. Hey, on en a plus tant que ça, les betteraves. Il va falloir que j'en cultive, du coup, moi. Là, j'ai envie d'en remettre 4 dans le coffre. Merci, Christella. Tu fais bien. J'en ai je disais d'aller te mettre sur le côté de l'île plat, là, qu'on puisse accoster, à droite. Hop là. Hop là. Encore un peu. Voilà, là on est bien. Reste droit.
Là, c'est que j'ai une grosse pierre à côté. Je voudrais juste, voilà, mettre. Non, mais vas-y, tourne encore un peu pour passer sur à côté de la pierre qui est devant nous. Encore un peu. Et voilà. Normalement, c'est bon. Tu peux balancer l'ancre. Je jette l'ancre, je vais arrêter les moteurs. Ouais, je vois les moteurs aller. Je pose mon lurk, j'ai des trucs à faire. Merci Yuki pour ton lurk. Ah ouais. Et bonne occupation. Ah oui. Ah ouais, non mais c'est waouh. Oh là là. Waouh, mais c'est énorme. Mais tu sais, hein, si on a fait un stream créa pour monter le bateau, c'était pas pour rien. Hein. Ah non mais... Waouh, je suis... Bon allez, je retourne dans mes cuisines, moi je deviens tout fou. Là. Bon, pour info, là où vous faites le plein de flotte au niveau des bacs à eau, j'ai fait une grosse boîte menu du chef, c'est mes plats sophistiqués. Si vous voulez vous doper et avoir les barres bien à fond, allez là-dedans. J'ai commencé par soupe de légumes. T'inquiète pas, le sage, je vais revenir avec des choses qui vont te faire plaisir. Youhou ! Merci, capitaine. Au final, je vais refaire une batterie. Alors, une batterie, il faut quoi ? Un lingot de cuivre, 3 ferrailles, 6 plastiques. Un lingot de cuivre. Ah oui, j'avais pas de lunis. Bon. Je pense que ça ira. Il vit métal à la radio là, je reconnais. Alors, ok, ok. Fallait ce qu'il y a par là-bas. Alors, tu vois, je vais prendre le truc pour capturer les animaux, des fois qu'il y en a un qu'on n'est pas. On ne sait jamais. Je sorte sur la gauche. Olé. Ouais, si tu veux faire... Pic. Voilà. Personne n'a vu, c'était très drôle. Bon. Faites attention, je pense qu'il y a un poisson explosif juste pas loin du bateau. Il y a le requin derrière. Ouais, je sais, je l'ai vu. Il m'a niaqué deux fois déjà. Alors, on a un petit souci dans les vivres, c'est qu'on n'a plus de betteraves crues. Alors, non, c'est un truc de base, on va vite la retrouver dans un tonneau ou. Si, t'as un coffre justement où t'as de la betterave crue. Et il faut planter. Oui. Il faut jamais tout cuire. Hein. Il faut garder les patates et les betteraves pour les replanter. Ouais. Ah ouais, mais il y en a des crues là, je vais en planter. Voilà. Ouais, tu les planques dans les bacs. Ouais. Et il faut les arroser avec de l'eau pure. Mmh. Mmh. Attendez que le bac soit rempli avec de l'autre aussi, tu peux en mettre. Aïe. Voilà. Là, vous pouvez arroser. Ouais, merci Christelle. Bien. Bon, le requin, tu vas me faire chier, c'est ça ? Allez, viens là. Balance ton pavot. Parce que là j'ai plus de betterave crue, alors pour la cuisine ça a été. La betterave est presque un aliment de base pour plein de plats. Le magasin. Ouais, mais c'est pour ça. Là. C'est pour ça que si t'as remarqué aussi, moi j'ai posé des steaks, il y en a 11 ou 12 qui sont pas cuits. Mmh. C'est fait exprès parce que bah, pour tes plats, il va te les falloir cru aussi. Moi je te mets du poisson là pour l'instant que j'ai pêché aussi. Mais voilà. Mmh. Mais là du coup tu vois, on tourne, j'ai déjà utilisé peut-être un stack supplément. Enfin. 3 stacks supplémentaires de bois pour faire avancer le bateau avec les moteurs, plus le sage qui va utiliser pour faire cuire tous ces trucs. Bah, il va utiliser masse de bois, donc alors il faudrait qu'on achète. Oh, c'est la nuit, Arthur, c'est la nuit. Il y a pas des bacs pour couper des graines de palmiers pour avoir du bois, justement. Si. On les a déjà, mais en fait, avant de faire des plus de bacs,
En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cubes de déchets, en fait. Je vais acheter ça. Voilà. Ensuite, ça, ça coûte combien ? On n'a pas assez de cubes de déchets. Pour revoir un peu ce qu'il y a, ou tu veux juste acheter et puis on trace ? Plein de poissons. Non, on peut ramasser le bois, les minerais aussi, parce que j'ai mis une grande claque dans les minerais de fer, dans les minerais de métal. Je crois que j'ai utilisé 3 ou 4 stacks de minerais de métal. Heureusement qu'on en avait beaucoup. Ah, ça y est, j'ai vu le poisson explosif. Il t'a explosé dessus ? Ouais. Dommage. Alors, le poisson explosif, s'il vous explose dessus, il ne loot rien. Alors que si on arrive à le tuer avec l'arc... Il loot une substance qui peut permettre de faire des munitions pour capturer les animaux et d'autres éléments. Oh, ouais, donc il faut l'arc et la flèche pour le tuer. Ouais, mais c'est moi qui les ai pris parce que j'avais vu, mais après comme le requin me tournait autour, j'ai pas eu le temps de. Ah, tant pis, je vais prendre ça. Ça sera pour le. J'ai fait un achat pour le sage, mais normalement j'ai refait une batterie pour qu'on puisse. Avoir plus de blocs. Il est où le requin ? Bah, là pour l'instant je l'ai pas vu. D'être occupé ailleurs. Ouais. Sable. Alors, on va pouvoir commencer à mettre les cultures tout en haut parce que j'ai acheté le. J'ai acheté l'épouvantail spécial du. Oh mon dieu. Voilà. J'ai acheté l'épouvantail spécial du marchand. Du coup, les mouettes attaquent plus les cultures. Après, on va pouvoir vérifier si ça les laisse venir quand même dans le nid, mais bon, on n'a pas vraiment besoin de leur... Alors, le sage, oui. J'ai ça pour toi. Qui a capitule ? Oh, voilà. Réfrigérateur, merci capitule. Je sais même pas combien il y a de place dedans. Oh putain, quelle la marque colo. Putain, oui, il y a plus de... Attends. Combien ? Mais attends, tu peux sortir de dedans, s'il te plaît, le sage. Je vais te le placer. Attention, Capitoun, j'avais déjà mis la viande dedans. Ah bon ? Oui. T'es sûr ? La main visible. Oui, j'ai mis du... Ah oui, attends. Tac, oui, c'est bon, je les avais, ils sont passés dans mon inventaire. Oui, je savais pas quoi faire de ce renfoncement, alors j'ai dit que ça serait pour les frigos. Ah, bien joué, bien joué. Ah non, mais c'est très bien, c'est extraordinaire. Merci, merci. Capitaine. Oui. J'attends vos ordres pour la navigation. Ouais, mais pour l'instant, on va rester là. Il nous faut... impeccable. Impeccable. Il faudrait, si t'as une hache, essayer de piller tout le bois Torota qu'il y a sur l'île. Je pense qu'il y a quelques images, mais en webcam, encore que là je m'affiche à vous en petit, ce serait plutôt en plein écran que vous le verriez, que j'ai savouré honteusement mes croissants en direct et que j'ai mis de magnifiques morceaux de miettes sur mon pull. Donc je suis décoré de l'ordre de la viennoiserie du matin, voilà. Autrement dit, je déjeune comme un gros goret, mais ça c'est pas une bonne idée. Je suis sur les calissons de mon côté. Moi je suis sur rien du tout. Ah, c'est le requin qui s'excite sur un appât. Ah non, c'est petit Seb l'appât. Oh pardon. Ouais, petit Seb qui a plus rien à bouffer. Tu m'as dit que t'avais mis où tes plats là ? Là où tu vas faire l'eau. La recharge d'eau, il y a un coffre contre le mur qui s'appelle le plat du jour, je sais plus quoi. Bon, moi je m'occupe des récoltes et de la pêche hein, pour l'instant. Okay. Menu du chef. Ah, bon bah, allez bien. Alors, ce que j'aime pas avec les recettes sur Raft,
C'est peut-être un des seuls défauts du jeu, enfin un des rares défauts du jeu, on va dire plutôt, parce que les D5 c'est pas mal aussi. C'est que tu utilises un bol pour récupérer à bouffer, tu manges, le bol disparaît. Genre tu le bouffes avec. Oh putain. Le problème c'est que dans Minecraft il y a la même chose, sauf que le bol tu le gardes, donc après t'as une collection de bols. Donc c'est au choix. Oui, mais là, je veux dire, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. Surtout que là, en plus, tu peux les stocker, les plats, même l'un sur l'autre. Donc, si tu stockes une dizaine de plats, si tu récupères les bols, bah, tu peux les réutiliser, quoi. Je veux dire, pas obligé d'en avoir 150 pour plus. Okay. Mm-hmm. Alors, ça, c'est trop fort. Je suis dans l'eau et le bol continue à fumer. La magie du jeu vidéo. C'est ça. C'est totalement ça. Bon, j'ai un piaf de balle là qui va me casser des noix. Hop. Ouais, tu fais attention, il devrait y avoir un sanglier aussi, je pense. Oh, je viens de le tuer. Le sanglier, fingering de nose, je me planque dans la flotte, il peut plus me suivre, je le tue tranquille. Oh, le technique. Alors, si tu. Il y a. Bon, on va pas l'acheter tout de suite parce qu'on a mieux à acheter, mais plus tard, on pourra acheter la cassette pour mettre dans le. Une cassette au marchand là pour mettre dans le. Dans la radio? Dans la radio, ouais. Il a une cassette de la musique du marchand en fait. Wow. Oh. Carré de terre petit mais avancé. Ouais. Là, j'ai bien pour le piaf. Tu vas me dire coucou, je vais te. Hein? Tu veux voir ma pierre? Ça va, il est pas trop près, plutôt. Du coup. Je vais avoir bientôt un petit souci de hache. Et le 5. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça non plus. Alors. Carré de terre. Attends, avancé. Voilà. Le pire. Est-ce que je tente le coup d'aller en orque et j'ai plus grand chose à récupérer, mais je crois qu'il y a juste un coffre. Et je vais faire le Yamakasi Dieu pour faire le mur. Le problème, c'est qu'on n'aura pas assez de trucs là. Pas assez de. Pas assez de déchets. Attends, parce que là j'ai mis des. C'est quoi comme chaîne? Mais reviens ma biche! Ah merde! Et voilà! Ah merci la chèvre! Hey yo, Femme, comment vas-tu? Bonjour, j'espère. Tu vas bien? Ravi de poisson sain. Ça va et toi? Oh, mais ça va. Oh putain. Appuie H. Moi, entrée, nav. Ah, je les ai mis là, idiot. Je les garde. Je vais me faire niquer le fiac. Ah, voilà. Je me fais encore toucher une fois, je vais mourir.
putain de marée, me fais pas monter. Ouais. Bon, après, ouais. Si tu te fais avoir juste à côté du bateau, on peut te faire remonter rapidement. C'est pas. Je fais un test. Je sais pas si j'ai bien lu la recette. Alors, tu fais attention parce que des fois, tu as deux aliments sur une ligne et t'as un multiplié par un. Ça veut dire que c'est un des deux, mais pas les deux. D'accord. Donc, qui est bon cette chèvre là, on l'a déjà. Oh. T'as vu les animaux qu'il y avait sur l'île ou pas Ah merde, j'ai fait des restes. Alors, je n'ai trouvé qu'une chèvre. Ouais, donc, il doit y en avoir un deuxième planqué quelque part qu'on n'a pas vu. Alors, c'est deux fois de la question. Ah vache, il faut mémoriser les recettes. Hein. Si tu n'arrives pas à bien les lire. Ouais, c'est pour ça que je les affiche, moi, en fait. Ouais, mais, ouais. Après, tu peux... alors, t'as une touche, normalement, elle doit apparaître quand tu vises la recette pour retirer la recette et l'avoir dans la main. Dans la main, tu la verras plus grande. Ouais. Non, mais et puis après, tu peux... champignon. Non, mais Capitoune, je lis mes recettes à l'aide de la longue vue que vous m'avez offerte. La paire de jumelles fait l'équivalent. C'est merveilleux, Capitoune. Vous n'avez pas idée. En plus de lunettes. Ah oui. Je crois qu'il va falloir prendre plus tard. On balance une bouteille à la mer avec une annonce. Le e-bateau du pad. Qui finira à terme à échouer dans un e-monde. Donc j'ai vu un dindon classique. Oui, j'ai réussi la recette. Je sais comment on fait. Non, la recette moi que je faisais le plus souvent, c'est le dîner de requin. Waouh. Mais t'avais dit que ça nourrissait donc. Ouais. Allez, j'en fais encore deux petits. On rajoute des planches parce que ça chauffe dans les fourneaux. Rajoutons des planches. Mais du coup, le navire, on a posé l'ancre ou on navigue là? On a posé l'ancre. Ah, d'accord, on peut pas récolter les nouveaux trucs dans les médias. Pas encore, peut-être plus. Bah, après, on essaie de récolter un peu autour de l'île, du bois sur l'île et puis. Oh, c'est bien, j'avais vachement bien le nid. Oh, j'adore. Hein. Ah, là, il y avait un arbre, mais j'ai pas de hache. C'est super. Y a une... bien ouais. Donc, du coup, il y a deux chèvres et un dindon sur lui. Bonjour, Tomouf. J'espère que tu vas bien. Salut, Tomouf. Salut. Salut, Tomouf. Alors, Tomouf adorable, je le rappelle. Alors, certes, il y a Petit Seb qui me dit qu'il y a des solutions automatisées. Mais je salue Tomouf qui nous fait part régulièrement, surtout ces derniers jours, sur le Discord de plein d'offres de jeux vidéo gratos ou de réduction de monstres. Il assure bien avant. Ah oui, après, les trucs automatisés, ça fait pas tout. Hein. Il y a des trucs que ça voit pas aussi. Mmh. Il y a que les gens qui cherchent vraiment, ben, comme Tomouf, du coup, qui vont tout savoir. Hein. Ça, ah, c'est ouais. Pas. Là, je suis 100% d'accord. Merci, Tomouf. Et voilà. J'ai oublié de mettre pas tant de planches que ça. Que j'ai pas là. Ça va, un blindé en bois. Tu t'es refait une hache pour toi? Oui. En métal? Oui. Allez, petit poisson explosif. Viens voir petit Seb. Mmh. Il va te mettre des flèches dans les yeux. J'ai bien fait de te dire de refaire un arc.
La première flèche, l'arc qui pète. Oh. Ah, je peux encore pas récupérer le poisson, ça m'énerve. Ah. Où es-tu ? Sur la droite, si tu longes sur la droite, tu vas. Si je lis sur la droite, j'arrive. Geronimo. Geronimo. Pardon. Il y a de ces trucs. Oui, il y a Tom Move qui vous salue tous, toutes et tous. Salutations partagées, bien évidemment. Mais totalement, totalement. Ah, c'est ça, les citations inspirantes, d'accord. Oui, les citations inspirantes, t'en avais deux de chaque côté de ton. Alors, attends, juste. Je te vois pas. Le sage, dans ta cuisine, t'as besoin de plus de betteraves ou de patates ? Betteraves, s'il te plaît, Christella. C'est la betterave qui me manque le plus. Je ne te vois pas, petit magnifique jus de lumière. C'est un petit morceau d'île qui est un peu séparé, là. Ça fait un grand golf à l'intérieur, là. Je suis par là. Si, je te vois. Continue à avancer. Pas vers le bateau, hein, à l'opposé. Alors, pas vers le bateau, à l'opposé. Ouais, comme j'ai un délai, donc du coup, il fait nuit au secours. Un peu plus sur ta gauche. T'éloigne pas trop de l'île. Va sur le morceau d'île qui est en face. Là. Tu me vois pas dessus, là, en train de sauter. Alors, avec la nuit et la gueule de mes yeux, non. Si, toi, t'as mangé un plat du sage, tu vois plus rien, c'est ça? T'as mangé les restes. Non, c'est que j'ai regardé trop longtemps Chris et là, elle m'a ébloui et ça y est, je suis devenu aveugle. Est-ce que tu... C'est beau, gentleman et poète. Je viens de tuer le requin, t'es ouais. Une femme fatale en plus. Armée d'un pic en bois et d'un pic en fer. Juste là. Ah, ok. Allez, c'est bon. Bon, voilà, il y aura du requin au menu. Merci. Yo, viens. Yo, fun. Système d'arrosage. Waouh. Oh là là, c'est plus imprimé, vas-y, toi. Comment ça, système d'arrosage? Ouais, il y a une recette dans le micro. Ah oui, c'est vrai. Le système d'arrosage. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas les tuyaux et ni la réserve d'eau, donc c'est pas intéressant. Mais ouais. Ça arrose les deux cases devant lui et les deux cases de chaque côté, ça fait 6 cases. Quoi. Ah, est-ce qu'il y aurait un autre poisson par là ? Il y a du métal, mais je vois pas d'explosif. Je sens que je vais me marrer à tous les épisodes. Pardon. Les explosifs quoi, pardon, Capitone? Non, si je dis les poissons explosifs, il y en a deux ou trois par île et par grande île normalement, pas plus. Donc il y en a un qui a été ébloui par Christella qui lui a explosé dessus. J'en ai tué un. Et voilà, donc le 3, je sais pas s'il y en a un troisième ou pas. Hop, je te le mets avec le biocarburant, la substance. Il s'en faudrait qu'on la fasse cuire pour avoir la poudre. Et hop là. Ah, c'est pas mal. Bon Dieu. Ouais, par contre, l'éclairage. Attends, je vais te faire une lanterne, le sage. Ah, je veux bien, merci. Est-ce que je retourne dans mes quartiers, là, dans ma chambre et...
parce que ça le fait pareil pour moi. Moi, j'ai les yeux qui mangent. Donc, c'est vraiment pas bon. Bon, ça va, j'ai bien éclairé ma pièce. Mon écran est... Mes écrans sont clairs, je sais pas pourquoi, mais bon, moi ça me va très bien. Ouais, Alors, voyons. j'ai les gens sur le stream, on voit rien. Oh, mais moi je vois tout, ça va bien. Justement, on essaye d'éviter de faut mettre la lumière de l'ordi à défaut, parce que quand on fait un autre jeu, après, faut tout re-régler, c'est chiant. Hop, alors côté repas, je vais te la mettre. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Pour tes plats. Ah, c'est gentil, mais en fait, c'est pas dans la cuisine dont je me plaignais en premier lieu, mais dans mes Ah. appartements. Ah, mais attends, j'arrive. Oui, s'il te plaît. Okay. Parce que là, je voulais manipuler des trucs et en fait, j'y vois que dalle de nuit. Je me cogne à tout, là. Oui, Mickey. Tu l'as récolté le Oh, trop requin qui bien! était là ou pas? Merci! Tu m'as Ouais, j'ai sauvé récupéré pour les une fois. viandes, mais pas la tête. Ok, très bien. C'est trop bien. Bon, moi j'ai fait à peu près le tour dans l'eau. Je pense qu'on va pouvoir récupérer la tête si on veut. Le sage aujourd'hui, il s'éclate. Ah oui, hein, vous m'avez gâté. Merci, merci. Ah, attendez, j'essaie de refermer la déco. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça, c'est mon souffle de l'argent. Mais t'arrives à avoir quand même en cuisine pour les plats ou tu veux vraiment que je te fasse une autre lanterne? Bah à terme oui tu peux toujours me mettre une lanterne en cuisine oui merci oui je pense bien que ce sera apprécié mais vraiment hein, vous verrez sur mon direct la rediff quand j'ai lu la recette à la paire de jumelles c'était vachement pratique. Voilà, Qu'il est bon, là. votre capitaine, qu'il est bon. Ah oui, notre capitaine. Le coup de la viande grillée. Mon Dieu. Ah, le requin a disparu. C'est pas grave, on le retient. Un pauvre requin qui se fait bully par des survivants. En train de te taper une Valérie d'Amido dans ta chambre, vous savez. Si tu veux que je t'enlève deux trois choses, tu me le dis, le sage. Bah, j'ai déjà retiré, hein, évidemment. Hein, vous devinez que en trois exemplaires, le trône, je n'ai besoin que qu'un seul. Bon, il est vrai que c'est dans, hein, comme je le dis souvent, dans les besoins qu'on connaît ses amis, mais bon, de là mettre une épinette double ou triple, c'est. C'est juste que tu as de beaucoup de bons amis, le sage. Oui, Mais oui, oui. oui. Après, c'est vrai, on a pensé à toi, parce que la dernière fois que tu étais venu, tu parlais beaucoup de boîte à caca, donc je me suis dit, C'est pas allez. faux. Je vous accorde ce fait. Ah là 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 là.
Bien joué, bien joué. Alors par contre, ce que j'ai envie de vérifier le réalisme du jeu, c'est voir si le pendule, l'heure s'adapte effectivement au moment de la journée dans le jeu. Et là, vous allez me dire, aucun d'entre vous n'a essayé de vérifier au coup d'œil la cohérence du jeu à ce niveau-là. Effectivement. Eh, vraiment, quand il y aura plein de richesses, faudra... il y a vraiment quoi faire, comme tu dis, la Valérie d'Amido. Avec du bon billet et tout. J'ai récupéré 17 morceaux de métal. Le requin est là. Ouais, je vais ranger mes bols d'argile. Requinou, viens me voir. Et tiens dans ta trompe. Bonjour. Alors, n'ayez pas peur hein, si vous voyez le coffre de bouffe crue qui est plutôt vide, c'est que j'aurais rapatrié une partie des ressources dans mon frigo, dans mes cuisines. Ah mais si tu veux, tu peux même le vider complètement, récupérer les coffres et les remonter là-haut. Hein. Bah à terme, je pense que petit à petit, c'est comme ça que ça va se faire. La transition va se faire tout en douceur. Je fais un dernier tour sur l'île et on pourra y aller. Ah. Ok. Ouais, vas-y, le requin, coupe-moi les fesses si ça t'amuse. Donc, il faudra aller derrière 2200 mètres. Pour le lit de l'histoire? Ouais. T'as un arbre que t'as oublié, là. Il y a un petit manguier qui a survécu à côté du marchand. Oh, je voulais être généreux avec lui parce qu'il a été sympa avec nous, il vend de très bons objets, je ne peux pas le laisser sans fin comme ça. Je me disais aussi. Bon, ben voilà, on n'a plus aucun paquet de déchets. Donc effectivement, il va falloir qu'on fasse la prochaine nuit d'histoire. La prochaine histoire. J'espère que c'est celle que je pense. Je suis pas sûr. Ah, Rukinu qui a mangé, je sais pas qui. Aidez-moi. Est-ce que tout le monde est à bord? Oui, je suis en capitaine. Oui. Oh, je lève l'ancre. Donc, c'est bien parce que... Eh, je sais pas si on peut jouer à 5, faudrait qu'on teste hein, si jamais G arrive. Mmh. Parce que moi et Torota, on pilote le bateau, le sage fait la cuisine, Christelle a fait les cultures, Edgy pêche, ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Il y a un tissu. Je vais remettre les jetons. Alors on avait 4 stacks de jetons, on en a plus que 2. On voit que le navire tangue. Okay. Ouais, il fallait juste reprendre la bonne direction. On va déposer là, ici, avec... Ah non, c'était peut-être pas là. Ouais, c'était pas là. Ah, il faut de l'eau. J'ai presque vidé ma gourde. Okay. Tu allumes les moteurs ou tu veux... Pas trop. Ah, si. Ah bah si, on va y aller pleine vitesse, hein. On va s'embêter. Hein. On y va pleine balle. Alors, parce que là, t'es dans la bonne direction? Oui. Ouais, j'allume. Sortez dehors, les copains, on va faire décapotable avec le bateau. Wouhou!
Et c'est parti. Bah, je peux vous faire des sushis. Bonjour Manekineko Eka. Je passe salutations à tout le monde. J'espère que ça va bien, magnifique. Étudié par des Il y a des méduses, on pourrait en faire des méduses, non? Non. Bah écoute, j'ai l'épouvantail et ça empêche pas les mouettes de venir se poser sur les nids, alors. Bon, encore, tant que c'est les nids, ça va, je dirais. Oui, mais c'était ça qu'on voulait voir. Je sais pas ce qu'est en train de faire le sage, mais il est mort de rire, ça m'inquiète. Oui, c'est hein. Disons que j'ai instauré ce qu'on appelle un petit coin x2. Ah oui, non, oui, d'accord. J'ai vu, ok. Oui, dans les toilettes que j'ai fait là à côté, t'as doublé les chiottes, c'est ça? Oh, bonjour, la Razmoquette, comment vas-tu? Bah, c'est, disons que c'est plutôt mode exhibitionniste, si je puis dire, parce que pardon, j'ai fait ça à côté de l'escalier, donc c'est bien tombé pour passer voir quelqu'un autour d'une praline. C'est très élégant. C'est... On a des mœurs à bord, c'est wouh, terrible. Avec l'herbe dans le dos, bien entendu. C'est ça. Ça, c'est pour le parfum. Ça embaume dans le couloir. Merveilleux. Oh, cette musique. Ah, moi, j'ai tué une mouette en plein vol, mais son cadavre est tombé je sais pas où, à travers le bateau. Oh. Je regardais l'étage du dessous. Pas de cadavre de mouette à l'étage du dessous. Non mais il a mis des chiottes devant les hibiscus. N'aimez pas ma nouvelle déco, Capitoune. Je ne veux pas que ça passe trop fort non plus. Mais oh. Non, c'est un scandale. Je conteste vigoureusement. Ma cuisine est d'un plus haut standing que celui-ci, c'est honteux. Là, c'est pour que tu puisses cuisiner assis. La prochaine île qui a des restes de restauration rapide installés, ce sera pour Capitoune. Hein, il débarquera. Non, je cuisine mieux que ça, monsieur. Vous vous trompez d'adresse. Fini, oui. Moi qui ai été tout gentil avec lui, j'ai juste mis son nom au-dessus de la porte de sa chambre et tout, j'ai rien fait dedans et c'est moi qui ai dégueulasse mon bateau, quoi. Non, mais... Aïe aïe aïe. Ouais, punaise. Bon, je vais aller voir la pousse des betteraves. Ça pousse. Cool. Si vous voulez, donc sur le toit tout en haut, j'ai commencé à poser des vrais endroits pour cultiver. Oh, ah oui, bonjour. Yeah, merci du coup de m'incruster là. C'est bien, ça pousse vite. Ah, je vais aller refaire mon nom. La gourde est vide. Le matin à l'étage, si on plante, il faut surveiller si les mouettes elles peuvent quand même venir. Non, pas besoin. Non. Ouais, c'est tout en haut et en fait, c'est la première chose que j'ai acheté au marchand sur l'île, c'est un épouvantail spécial. Ouais. Ça fait fuir les mouettes, elles viennent plus normalement. Wow. Parce que l'épouvantail de base qu'on peut fabriquer, les mouettes viennent, mais elles attaquent l'épouvantail. Mmh, ouais. Au lieu d'attaquer les plantes. Tandis que celui-là, normalement, elles attaquent même pas.
Hop. Ah bah tiens, j'ai récupéré deux betteraves. Oh non, oh, pour la tronche. La merde va pousser. Oh. Ah ouais, voilà la tronche de l'épouvantail, ouais. Tu te doutes qu'elles vont pas venir. Il a le déguisement de l'homme invisible un petit peu, je sais pas si vous avez la référence. Oui, oui, tout à fait, totalement. Comment ça va ici? Bah, ça va bien, la race moquette, et toi? Comment vas-tu? Comment ça va? Sur ta planète. Ouais. Sur ton radeau plutôt, enfin ton pack d'eau. Ça va, ça va. C'était bien, parce que le sage il est parti, il y avait. On voguait sur une planche de 11 par 13 ou 14, oui. Qui revient. Oups. Ah, bon, nickel. On a changé de planète, désolé. Oui, ça. C'est bon. Ouais. Wow, j'adore la récolte des objets surprises. Avant, on les voyait arriver, mais là, maintenant, c'est la surprise totale, j'adore. Ça apparaît dans les filets. Ah oui. Donc t'as vu les nouvelles zones de plantation, Christella? Ouais, ouais, j'y suis. C'est ce que j'ai acheté au marchand. C'est censé être la même taille que les deux que tu as en bas. Sauf qu'avec un seul en haut, tu fais la même quantité. Ouais. Oui, mais tu sais, la race, tu sais que tu viens quand tu veux. Non, je viens quand il veut. Voilà. Sauf les relous, on n'en veut pas. Ok, je m'en vais. Pardon. Vas-y, j'ai la chanson dans la tête maintenant. J'ai du bois sur moi, j'en ai pas beaucoup, faut que j'en prenne un peu plus et que je y refile les moteurs parce que je sens que sinon, d'un seul coup, on va faire boum, freinage d'urgence. Et après, Yukine. Ah. Je descends, capitaine. Hop. Ouais, on avance plus grand, on verra bien plus tard. Là, oui, j'ai bien fait. Ah ouais, ça consomme pas qu'un peu, quoi. Là, les chaudières, quoi. Ah bah, j'ai balancé ma dizaine de planches de bois, c'est parti dans les moteurs. Mais il en faut, pour que le moteur soit plein, il en faut 16. Vache. Quand tu tombes pas. Du coup, il va falloir que je fasse une. Ok. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de beaucoup de planches. Ouais. Ouais, ok. C'est carburant. Hop, c'est bon. Ouais. Pour l'instant. C'est bon. Tout a été chargé à fond. Je sais que vous allez réussir à embellir le navire. Au fur et à mesure des épisodes, on va avoir du mobilier, de la belle déco. On va avoir des tableaux au mur, des plantes suspendues, des plein de trucs du genre là. Voilà. Mais après, on va pas tout faire aussi. On va vous laisser participer parce que c'est l'aventure de tout le monde. Donc, ouais. J'arrive, petit Seb. On a plus de batterie. Ça y est. C'est bon. Ah, t'en as refait une du coup. Oui, oui. Comme c'était là obligatoire pour ça. Bah, l'île est à bâbord toute. Hein. Ouais, et ça. Vas-y, tourne, je te dis quand tu. Bon. Ouais, tourne à fond, voilà. Hop, 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 hop. Commence à ralentir, reviens un peu. Ça se rapproche. Redresse à fond. On est bon.
Ben voilà, ils sont heureux, ils ont l'air d'agriter. Il faut que je redescende chercher à manger. Ah bah les animaux sont en pleine forme. Y'a ma cassie. Ah, je peux plus faire Yamakasi, j'ai plus d'énergie. Ah. Ouais, parce que moi au début je te disais ça va prendre du temps, c'est ce que je pensais au temps qu'on va mettre pour construire le radeau, machin, tout ça. Mais au final, à cause de ton retard, donc ça m'était fait. À cause, oui. Pas grâce. Ouais, voilà, d'accord, j'ai un peu construit aussi. Et à cause de ton retard, on va finir le jeu beaucoup plus vite. Ouais. Non. Je ne suis pas sadique à ce point. Ouais putain, on avait plus d'une ligne de lingots de métal, on en a un stack. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est parce que heureusement que j'en ai ramassé plus d'une quinzaine là. Parce... Non, puis comme vous le savez tout à l'heure, l'explication de Petit Seb, l'argile allez-y gaiement, hein, parce que si moi je lui en fais des bols, et puis, comme ça consomme pour un plat. Alors ça, ouais. Après, en fait, j'avais séparé normalement. Sur la première table, c'était les soupes, donc c'est ce qui va utiliser un bol. Mm. Et sur la deuxième, c'était les plats. Les plats, normalement, tu peux les récupérer comme ça, il me semble. Mm. Voilà. Ouais. C'est ça aussi qui est bien avec le plat de requin, ouais. C'est parce que du coup, bah, comme il consomme pas de bol, c'est tranquille. Oh, je t'ai pêché un poisson-chat. Je sais pas si tu peux faire une recette avec. Je verrai. J'ai la question pour notre hôte bien-aimé. Oui, je t'écoute, le kiné. Tonneau surprise. Est-ce que tu te souviens du pseudo de la personne à qui c'est follow ce matin? Oui, c'est mon fils, Yuki. Bon, c'est vrai que ça pousse vite les récoltes dans ces gros bacs. Ouais, normalement ça pousse plus vite. Ça... 11 JR. Mais après, je fais un petit truc très sympathique là-haut, histoire d'être tranquille. Mmh. Okay, tu me dis, le sage, hein, si t'as besoin d'autres ingrédients, pour l'instant, moi, je suis sur la betterave. Ah, c'est génial, la betterave. Vas-y, à fond sur la betterave, parce que vraiment, c'est la base de beaucoup de recettes. Donc, si je pouvais avoir une centaine de betteraves crues, ça m'arrangerait vraiment. Et c'était pas déjà follow à ta chaîne la dernière fois, si, mais il a perdu son pseudo. Enfin, pas le pseudo, mais le mot de passe. Donc, du coup, il en a recréé. Oh, bonjour, Adjay. Veuillez excuser mon absence, comme le planning change tout le temps, j'ai complètement oublié, désolé. Oui, non, mais... Ouais, t'inquiète pas, Adjay. L'essentiel, faut que tu te portes bien, Edge. Tu vas pouvoir prendre ma place alors, si on peut pas jouer à 5. Bah, ça serait bien qu'ils viennent et qu'on essaye voir si on peut jouer à 5. On passe le test. Alors, Et on est arrivé. On est arrivé, ouais. Bonjour, la Raz Moquette. D'accord, bonjour, Raz Moquette. Ah, ça bouge lentement là, hein, dans les petits bacs. Le vie. Je vais jeter l'ancre déjà. Salut. Salut Edgier. Je vais arrêter les moteurs. Ouais, ça va super bien la Raz Moquette, merci, j'espère que toi aussi. On s'amuse comme des fous. Là, alors je suis plus posé que d'habitude parce que je suis bluffé par l'évolution, vous l'aurez vu dans l'épisode, de ce qui s'est passé dans le jeu. Et... Tu veux pas qu'on avance encore un petit peu Ça va aussi. Attends, parce que en fait je vais aller faire du repérage. Ah d'accord. Fait, pour voir par où il faut qu'on rentre, par où il faut qu'on se pose en fait. Donc si pendant ce temps, les autres peuvent continuer ce qu'ils font, si tu veux, tu peux remettre du bois dans les moteurs. Waouh! Non, mais c'est quoi cette île? Ah, vache! Et que je mange, j'ai.
Elle est hyper haute, Lille. Je t'ai demandé parce que j'avais un doute, mais ça correspond à la date de création du compte que j'ai eu. Voilà, ok. On remet du bois dans le coffre pour l'instant. Mm-hmm. Mais t'inquiète pas, Yukine, je m'étais renseigné. Et merde, putain. Et voilà, y a pas de soucis. Ouais, juste au moment où j'allais quitter la zone du bateau, le requin m'a repéré, quoi. Voilà. Tu vois, il a pu rejoindre. Et ben voilà, marche, on est 5. Parfait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a gros crash. Ah, voilà. Les plumes, ça sert à quelque chose pour les flèches ou quelque chose comme ça? Oui. Mais il y a déjà des coffres avec des plumes. Après, ouais, non, mais j'en récolte en haut, donc c'est pour savoir si. Ah, non, t'es pas obligé de les récolter. Je suis à peine arrivé que je gagne déjà 2 succès. C'est ça qui est bien. Alors, est-ce qu'on peut rentrer par là ou pas? Ah ouais, la forme de l'île, ouais. Je suis sur le pont du navire. Waouh, il y a plein de trucs à récolter à vue. C'est quoi ça? Ouais. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est pas l'ouverture. Ah oui, c'est un tonneau. Mmh. Je sais plus c'est quelle île celle-ci. C'est carrément une terre, c'est pas une île. Il y a des arbres, c'est des. Des grands arbres. C'est des arbres. C'est pas des palmiers ni autres, c'est carrément des arbres. Là, c'est une terre, ouais. On dirait une île canadienne. On est plus dans des terres froides. C'est terrible, j'ai encore le bug, je te vois en train de regarder le. Attends, faut que je prenne une photo. Tu vois les jumelles et t'as le dindon qui est en train de te marcher sur les jumelles, c'est tout rigolo. Wouh! Ibi, il y en a 10 choses à observer. Ah oui, j'ai pas vu le fameux épouvantail qui fait peur tout le monde là. Oula, oui. Je m'occupe tellement des trucs, j'ai oublié de manger et tout. Dans le pire, c'est qu'il m'inspire un personnage. Ben oui, l'homme invisible. Ah oui. Exact. Mais ça, c'est les premiers des années 80. Comme ça, bon, 70-80. Ben, qu'est-ce qui t'arrive, Jay? Tu fais ta tête de cochon aujourd'hui? Ah, my God. Tant qu'il n'y a pas le caractère qui va avec. Ça parle mal. Je pense qu'on va essayer d'avancer à la voile et à la pagaie, là, plutôt, peut-être. Ok, ça marche. Parfait, on va avoir Edge qui pêche, Christella qui plante, enfin qui cultive. Et bah, moi, c'est bon, on est un vrai équipage. Un vrai équipage, c'est bon. Le sage qui fait son cuistot. Je me mets à rêver que l'épisode suivant j'aurai déjà les options. Les épices, le poivre, le sel. On aura le tablier. Parce que t'en mets pas pour l'instant. Je me disais, pas d'un peu. Tu voudras qu'on aille du côté droite ou gauche de l'île? Droite. Ok. Je pense savoir quelle île c'est, mais je suis pas sûr. Le sage va encore avoir peur. Attends, je vais paguer, mais Je quitte l'île, j'envoie une autre. Ah non, c'est le bateau, c'est vrai. Mais là, tu rigoles, pardon. Mais notre bateau est plus grand que les petites îles qu'on croise. Ouais. Peut-être même que les moyennes aussi. Mais il faut que j'aille chercher de l'eau, j'en ai plus. C'est vrai. Donc y'a qui a une pagaie là pour l'instant? Moi j'en ai une. Moi aussi. Bon, on a 2 pagaies, ça devrait aller. Mais on va quand même sortir la voile, on va voir. Ça aussi. Attends, pagaie pas tout de suite, hein. Pour l'instant il y a encore l'encre.
On va. Oui. Attends, je vais mettre ça dans le frigo. De toute façon, on va essayer d'utiliser la voile au maximum aussi. Tu me dis quand t'es bon pour que je relève l'ancre. Ben moi, je suis en bas, donc tout est bon. Hein. Oui, mais la voile n'est pas descendue là-haut. Alors j'y vais. Et puis il va quand même falloir que tu diriges un peu le bateau avec la. Parce que l'idée c'est qu'on arrive à se caser le mieux possible quand même. Alors je vais faire un truc délibéré. Je vais laisser dans la cale du navire le coffre nourrir cru avec un exemplaire de chaque aliment que vous pouvez récolter en pêche, en culture. Sachant que tout le reste sera dans mes cuisines, dans les frigos. Et moi, je ferai le relais régulièrement d'aller voir ce que vous m'avez mis dans le coffre de récolte de bouffe crue. Et je gérerai, moi, avec mes cuisines. Là, t'as 19 betteraves pour l'instant. C'est génial. Merci, c'est cool. Je suis en train de ranger mon frigo. Là. De ce côté-là. Légumes. Là, faut que tu tombes pour qu'on aille bien sur le côté. Tu nous tournes la barre, Torota ? Hop là. Côté droite. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on avance pas. Non, parce que le vent souffle pas du dans le bon sens. Ouais. Ah, tu peux faire une recette. Est-ce que de nos deux pagayeurs peuvent. De quel côté tu veux qu'on pagaye ? En fait, faut qu'on avance. Tu vois les arbres, faut qu'on aille un peu en dessous là-bas. Et Jay aussi, il présente une tête aujourd'hui, il est pagué. Ça a été facile. Et gratuit. Ouais. Ouais. Il faut que tu pagaies un peu sur le côté, Christella, pour nous écarter un peu, parce que là on fonce droit dans le caillou. Wouah, les animaux qui ont fait plein de neufs. Il va falloir faire la récolte aux yeux. Edge, dans une des dans un des dans le coffre où il y avait tous les toutes les charnières, les boulons là devant, tu dois avoir une gourde à récupérer. Oui. C'est fait. Ouais. Ok, nice. Yeah. Oh, pour le presse de vinyle, le plat que tu t'es fait à la vue de la. Nori, tu t'es fait une soupe de poisson, je me trompe. Voilà, là vous pouvez. Un ragoût de poisson. Pagayer tout droit. On va tourner peut-être encore légèrement un peu. Attends, je pagaye aussi. Viens me prendre ma place, tu auras une meilleure vue. Ok. Utilise un pion de dame pour faire un Waouh, il y a une houle, mais alors la douche est offerte en fond de cale. Hein. Voilà, on arrive à l'île. Bon, je vais aller sur le côté pour voir un truc. Récupérer l'œuf. C'est qui est en dessous qui fait... Qui c'est qui est à gauche? C'est toi, Edge? Ouais, c'est Edge. Oui. Vas-y, pagaie, Edge. Faut qu'on avance. Le mec, non, il est là avec sa pagaie, il non, en fait, on va aller dans le creux qui est en face de toi, là. Ok. Un petit peu plus sur ta droite, peut-être. Bon, bah, plus de pagaie. Ah, mais il faut du bois, en plus. Bah, c'est pas grave, jetez l'ancre. On est plutôt bon, et puis ça sera plus facile de ressortir, là. Voilà. Parce que là, avec le pont-levis qui est sur le côté, on peut atteindre les premiers cailloux pour éviter. J'y vais, chargé. Je vais me faire défoncer par je sais pas quoi, je sais pas qui, mais c'est pas grave. Attends, parce que tu vas le savoir tout de suite, faudrait que les autres soient là aussi, ça serait plus drôle. Ah, d'accord. Ah, mais si on le sait de suite. Oh, qu'est-ce que je vois? Rien du tout, c'était magnifique. Oh merde, le requin. Attends, là je fais un petit peu plein de ressources. Ah merde, le requin. Oui, remplissez vos gourdes, prenez de la bouffe et
Et prenez une lance en réserve, au cas où, on sait jamais. Mm-hmm. Non, prenez une lance en réserve. Je vais même m'en refaire une, moi aussi. Je vais m'en refaire une plein d'eau, parce que là... Non, c'est la crotte, c'est la crotte. Ouais, quand on est 5 et qu'on veut tous de l'eau. Ah oui, il y a une file d'attente. À moins se donne de s'en faire un pour chacun. Comme ça, on est vraiment tranquille. Non, 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 ça sert à rien. Surtout que. En vrai, on tourne bien comme ça. C'est juste à ces moments-là où bah il y a un peu de creuse. C'est pas grave. Ça... J'ai récolté et replanté les betteraves qui étaient tout en haut. Et du coup, l'eau. Et ça, bah, j'ai envie, je vais le manger. Voilà. Ouais, donc du coup, ce que je disais dire aux autres, c'est que bah du coup, moi, je garde la bouteille pour l'eau de mer et la gourde pour le... l'eau pure, et du coup le gobelet il est passé à la poubelle. Mmh. Je voulais me refaire une lance. Attends, j'ai trop peur sur moi, il y a des trucs que je peux ranger. L'Empire, on dirait un manoir d'extérieur, un manoir flottant, quoi. On va créer un labyrinthe dans ce bateau. On fait déco le sage à un endroit, et à partir de là, on crée un labyrinthe, et comme ça, la prochaine fois qu'il se connecte, il est obligé d'en sortir avant d'arriver. Hop. Bon, en vrai, c'est une très très bonne idée, ça, de faire un labyrinthe. Juste espier de... Ah, super. Ok. Ouais. L'eau a été purifiée, hein, s'il y en a qu'on en a besoin. Ah, comme ça, ça fait vraiment... Tout le monde est bon ou... Oui. Mmh, ouais. Je vais me refaire un petit cycle d'eau et j'arrive. Hop. J'ai pris la photo du bateau avec le brouillard à l'arrière, ça fait trop bien. Et de toute façon, on est tous devant, on va sortir devant. C'est bon, je vais te taquer moi pour la photo. Ouais, on dit ouais la bouteille c'est trop bien, 5 doses et tout. Grosse gourde, 10 doses. Ah, ah c'est génial. Ok. Ouais, c'est génial. Mais ce qui est génial aussi c'est que tu peux les avoir assez vite grâce aux marchands et tout. Bah, de toute façon la grosse gourde en fait elle s'achète aux marchands. La recette. Oh, bien c'est bien. Gentil, Momoka qui fait un relais de chaîne. Bonjour, ouh. Momoka. Salut, Momoka. Bon, en espérant que ton direct soit bien passé. L'autre fois, c'est quoi, Momoka a ma raid. J'ai raid Torota et Torota a raid Momoka. Oh, joli. Et ensuite, Momoka a raid le Aero, si je me souviens. Ça fait des relais sur toute la journée. C'est ça. Premier raid PC. Ah, ah. Bien.
Merci. Bon, tout le monde est prêt? C'est honneur. Ouais, roster. Tout le monde a aiguisé sa lance. Merci, mon cas. Oui. Oui, j'ai la lance en main, capitaine. J'ai perdu Torota et Edge, mais ils sont déjà sur. On est juste devant, là. Voilà. Bon, bah, venez. Hein. Nous vous attendons. Bienvenue. Ah. Nous ne sommes pas des cannibales, même avec c'est une lance. Un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Ça va, Edge, il est accroupi en mode. Il y a du danger. Oui, moi j'y suis en mode YOLO. Mais. Chargé, je sais pas où je vais, mais chargé. Mais voyons. Il y avait des fûts et des bidons enfuis un peu au bord de la plage, c'est dingue. Ouais, mais on peut pas les ramasser, ça fait pas de. Ah. Il y a un ours. Tout ce qui bouge. Il y a un ours. Ouais. Ouais, ouais, ben alors attends. Il y a des risques d'ours. Quand tu vois la tête de l'ours. De l'île, oui, tu peux. De l'ours. Oui, c'est ça. Alors. Nécessite 5 baies sauvages. Oh, il y a des beaux sapins. Alors, vous faites attention. Oui. Bon, mais si on doit mettre ça dedans, c'est que je pense... L'ours est là, les mecs. Hein. Oui, non, mais là, justement, hein. Justement, vous l'approchez pas, merci. Je vous préviens, celui qui l'attire, oh, il se démerde. Torota. Eh ben voilà. Je m'en vais. Adieu, Torota. Je m'en vais. Je l'ai pas vu, il faisait trop sombre, sa mère. Mais on t'a prévenu. On a dit, il y a l'ours, là. Il y a des Pokémon qui crient leur nom dans les buissons là, parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait avoir des. Je sais pas s'il me suit toujours, non, c'est bon. Non, il s'est remis à son truc de base. Pardon, elle a arrêté. Oula. Ah, c'est la maman en plus. Oui. Ouais, super. Waouh, j'ai trouvé un panneau directionnel. Alors, il y a une station de ranger et des stations relais de numéro 2, 4 et 6. L'île est assez grande. Et... Merde, c'est moi qui l'ours. Aïe, aïe, aïe. Et assez l'invier. Alors, non, il y a la maman qu'il faut pas énerver, et ensuite il y a des ours normaux aussi. Wow. C'était peut-être la maman, ouais. La maman, c'est même bien un coup de patte. J'ai arrivé dans le dos, je l'ai pas vu donc. Il y a un autre panneau directionnel. La c'est maman, le même, mais. La maman n'attaque que si on l'approche de trop près, et si on s'éloigne un peu, elle revient à sa place. Par contre, les autres te poursuivent. Mais les autres, tu peux les tuer, normalement. En fait, au moment où ils font leur grosse... Enfin, où ils attaquent, si tu recules, t'as... Oh putain, un ours aussi, mais bordel, il me voit de loin, lui. Eh, c'est pas une grande ville, hein. Mais tiens, prends. C'est la maman. Ah ben, je suis KO. Ah putain. On sait pas où vous êtes, hein, mais vous êtes quelque part. Ah ben moi je vous ai cherché, je suis tombé sur un ours. Moi je suis les panneaux de Ranger Station, la première, pour voir. Le sage, t'es passé où? J'ai pris non, la hauteur, je suis les panneaux. Les panneaux. Okay. Bon, je vais suivre la station de Ranger et puis on verra. Ouais, allez-y. Moi je me risque à prendre un chemin non balisé. Je fuis l'ours. Message de Fun 1992. Et voilà, un ours. Je vais manger. Non mais... Et à tout à l'heure pour notre live. Il y a un ours. Et bon app pour ceux qui passent à table, alors que je prends ma coiffe. Il y a un pont en haut, je le vois. Alors, les ours respawn, hein, donc faites gaffe. Ou vache. On aurait peut-être dû faire des bombes de soins. Ça, c'est le premier que j'ai croisé. Tu ne m'as pas vu. Je sais que tu m'as pas vu. Un peu minable. Un peu juste. Puis, merde, il m'a vu. C'est notre navire. D'accord. Y a quelqu'un qui est retourné au bateau? Non. Ah, mais tu vas me trouver, je suis pas loin. T'es passé par la droite. Si c'est bon. Je sais plus où je suis passé. Alors, normalement, si tu vas. Je sais pas. Parce que j'avais une ruche à côté, justement, j'ai voulu la prendre, mais l'ours est arrivé me choper.
Ouais, mais tu dois pas être par là, tu dois être plus loin. Non. Alors attends. Mais dès que une tente. Non, mais. Il y avait la maman ours. Les champs, les ours, quand même, les mecs. Alors, je suis allé à droite, moi aussi, mais c'est bizarre, je t'ai pas vu. Mais à droite au début, alors. Comme je suis bien miro. Je suis pas loin de la ruche, normalement. En plus, fun fun. Plus fun fun. Oui, bon appétit. Je me raccroche à la vie. Oh. Oh, je vois des myrtilles. Ah, j'ai des baies. C'est bon, il est parti. Merci. Je sais pas où je suis. Je suis sur une plage, mais je sais pas où je suis. Vous avez tous avancé, nous. Moi, je suis KO, je bouge plus. J'essaye ouais, de mais... voir. J'essaye de voir, mais je vois pas d'ours vers là où je suis. Mais il y a plusieurs endroits hein, où il y a des. Là où... Ah, d'accord, la vache. Moi, je suis tombé sur un truc, c'était carrément un dépotoir avec des déchets radioactifs et tout. Ah bon? Ah, ça c'est la station de Ranger. Il faut sauter sur les caisses et un à la fois parce que les caisses cool quand tu passes. Donc il faut. Coucou. Ah, j'ai trouvé la grotte. Sauf qu'on peut pas y aller pour l'instant. Attends, je vais essayer d'atteindre des baies sauvages. Je sais pas où je suis. Mais à mon avis, je dois être bien plus haut que toi. Torota. Ah ouais. Parce que oh, mais j'étais sur le début. Une fois qu'on était monté, moi à gauche il y avait la maman ours, et moi à droite je commençais à peine. Donc Non, mais moi je suis monté, j'ai. Mais vous êtes allé vachement vite. Moi je. En fait, j'ai essayé de fuir la maman ours, mais je l'ai fui vers. Complètement paumé quoi. On a fait comme dans tous les mauvais films d'horreur, on s'est séparés pour courir plus d'espace. C'est ça, exactement. Sauf que c'était une mauvaise idée. Oui. Bon, je vais refaire le tour de l'île, je vais longer l'île. À la station, moi. Mais en fait, là, l'ours, si l'ours m'avait pas agressé, j'étais en endroit où il y avait des pics de partout. Ouais, mais c'était peut-être où j'étais, alors. Il n'y avait pas des trucs radioactifs et tout ça. Moi, j'ai ouais, il y avait un liquide un peu vert, là, bizarre. En fait, il y a des caisses et il faut que tu sautes dessus et ça fait un chemin. D'accord. J'ai pas eu trop le temps parce qu'il y avait un ours. Ah, merde. Attendez, je suis sur un bord de falaise où je vois la plage. Je pense pas que ce soit la plage sur laquelle on est débarqué. Et en fait, il y a quelqu'un avec des rochers qui a mis sur le sable SOS. Ouais. Alors, il faut que j'essaye de retrouver le bateau pour pouvoir retrouver Torota. Ah, c'est là. Ça, c'est le début. Donc, Torota, il a dû partir par là. Bon, je dois pas être si loin que ça. Mais pour répondre à une scène, ouais, le navire est construit, il est énorme. C'est... Waouh, je suis bluffé. Ah, j'arrive bientôt au bateau. J'ai préféré reprendre depuis le début. Parce que... Ah non, c'est pas là qu'on était. Merde, ça c'est l'autre entrée. Je suis pas du bon côté. J'espère que je vais pas retomber sur un ours. J'en ai déjà tué deux, ça me suffit. Hein ? Pourquoi j'entends une sonnette ? Oh, j'ai trouvé la télé. Là, c'est un ours. Ouch. Ah, merde, ça, c'est un lama. Il est comment? Non, il est normal, on s'en fout. Ah, bah, je viens de croiser. C'est qui? C'est le sage, là? Ouais, c'est le sage. Coucou, le sage. Oui, je te vois pas, excuse-moi. Ah oui, tu es là. J'étais dans ton dos. Bonjour, capitaine. Oh, ben, moi, je vous attends. Ah, tu peux fouiller Christella parce que de toute façon si t'es bien là où je pense on va devoir repartir fouiller le reste de l'île. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai su un manque d'eau. Non, mais de toute façon t'es à terre donc c'est pas grave. Alors tu peux pas mourir une deuxième fois.
J'ai le nom de notre localisation, en fait. On est arrivé à la réserve naturelle de Balboa. Oui, Balboa Island. C'était noté dans le cahier. D'accord. Alors, je viens d'allumer un truc. Je sais pas ce que ça a fait. Peut-être une antenne que j'ai allumée. Oui, parce qu'il y a les trois antennes à allumer pour localiser l'île suivante, du coup, un truc comme ça. Alors, ça, c'est... Je sais pas où je suis. Bon, du coup, j'ai sauté à la flotte et je vais revenir au bateau pour retrouver ton retard. Ouais, les îles d'histoire sont de plus en plus grandes, en fait. Et ouais, ça fait que... Bah, vous avez vu qu'on a commencé par le petit truc flottant, là. Ça a été rapide. Déjà, il y a eu ensuite le paquebot qui était un peu plus long. Et puis là, t'as... Ben... T'as l'île de Balboa avec les ours. Ah, merde, crochet. Les ours. Plancher plastique que j'ai pas. Dommage. Ah, merde. Personne n'a une ampoule. Il faut une ampoule qui a un maintien. Apparemment, il faut une ampoule. Ça fait chaud, cœur. Oui, il y a une quête annexe sur cette île. Bienvenue. Et en fouillant l'île pour résoudre la quête principale, on va trouver les ressources si on regarde bien. Alors, moi, je me donne un objectif dans l'heure qui suit, c'est-à-dire que je vais retourner au navire pour me faire un ou deux crochets et je vais me récolter, bah, évidemment, pour faire des bols de l'argile à gogo. Oui, mais ça, on t'en farmera dans la semaine avec ton retard. Ah, d'accord. Bon, si vous le dites. Il y a un ours qui bloque là. J'ai trouvé le plan de raffineur de biocarburant. Ah, yes. Mais tu m'as pas vu, t'étais dos à moi. Bienvenue. Je vais te faire tourner en rond s'il faut. Je suis complètement hop là. Bah heureusement que je suis assez rapide parce que. Non mais les ours, si tu attaques et tu recules très vite, ils tapent dans le vide. Puis tu rattaques et tu recules très vite et. Ouais. Je suis arrivé là où j'étais tout à l'heure, là où il y a plein de pics. Je devrais pouvoir trouver. Christella, sautant de manière correcte. Moi, je crois que je me suis pas mis à tourner dans le bon sens de l'île et je vais faire quasiment tout le tour de l'île pour retrouver le bateau. Bonsoir. Ah, ça y est. Oh, attention, il y a l'ours derrière. Putain. Ah. Il m'a suivi, le salon. Ah, la vache. Oui. Et attends. La maman ours qui est le boss ne vous suit pas, mais les petits vous suivent, donc faites attention. Il m'a suivi alors que j'ai sauté par-dessus les caisses. Ouais, mais alors quand tu vois la tronche de l'ours, on te demande... Oh putain, ce saut qu'il a fait. Oui, mais c'est parce qu'ils vont faire un détour, ils vont essayer de te retrouver, quoi. Et je répète, sur les îles d'histoire, les monstres respawn. On l'a vu avec les rats, hein. Voilà. Alors... Encore, les rats, ça c'est rien. C'est pas... Ouais, enfin, les ours en vrai, pas tant que ça. Ah, ça y est, je l'ai eu. Ouh. Il vaut quoi 5-6 coups de lance en métal. Et si tu cherches bien le recul pour esquiver, ouais, ça passe. C'est bon, on l'a eu. Alors, je t'annonce que j'ai fait la moitié du tour de l'île, Torota. Bientôt, je serai vers toi. En fait, pendant que vous visitez, nous, on fait tout le boulot avec Edgy, en fait. Alors, moi, j'essaie de sauver Torota, hein, je rappelle. Et moi, je voudrais bien avancer, mais je peux pas. On peut pas l'abandonner, ton retard. Ton retard, il est en train de nettoyer le sol de l'île depuis. Oh, il y a encore un truc sur le toit. Ah, ouais, d'accord. Ah non, on peut pas monter. Non. My sister Astrid and I were put in charge of the ranger station on Balboa. We handled the bear population and kept the. Bon, ben là, apparemment, c'est la station 1 et 2. Il faut faire les autres. Il faut repasser sur le trou de liquide. La station ranger, il y a un panneau à côté là. Start writing things down after Astrid disappeared. So that I'm not feeling so lonely anymore. Mais là, moi, j'ai allumé l'antenne, donc bah, après, il faut peut-être voir les autres. Ouais. Et là, t'as dit qu'il se pose la question, mais vous avez vraiment mis de l'encre. Oui, on l'a mis. Parce qu'elle a eu tout, c'est bon, je vois le bateau.
Je te dis, je suis parti dans le mauvais sens. Ouais, c'est la première, la station, la première. Et c'est là où il faut l'ampoule pour le mannequin, mais moi je l'ai pas l'ampoule. Ah bah moi non. Ouais, elle est dans une autre des stations, je me souviens bien. Bonsoir. Je me promène, moi je me suis mis en quête des baies sauvages. Alors les baies sauvages, il nous en fallait 5, on en a 12, donc ça devrait être bon. C'est marqué, faut le clé de serrage, marteau et scie de Bruno. Ouais, il y a plein de choses à récupérer sur cette île. Du coup, on suit le panneau. Je vois pas le requin. Je vais tenter de partir de l'autre côté. Ouais, allez, je te suis. Ah, il faut re-sauter sur les trucs. Vas-y, vas-y. Oh putain, je t'ai tapé. Les phases de plateforme. Oh, pas que les premières personnes. T'adores. Mais il y a une vue, troisième personne. Ouais, c'est pas non plus l'idéal. Oh, pas l'idéal non plus. Je stocke d'autres steaks. Alors, les poissons comme le poisson chat et le saumon, qui sont les gros poissons qui ont des PV, il me semble qu'il n'y a pas de recette avec. Je suis pas sûr. Non. Donc on peut les faire griller. Donc là c'était la 1 et 2, faut faire les autres. Comme je sais plus, j'aurais pas dit. À la limite, on repart en arrière pour trouver un panneau. Bah ouais. De toute façon, pour trouver les autres, vous allez être obligé de repasser par le liquide et tout. Ouais, ouais, ça y est, on vient de tout passer là. Je suis fou. Alors. Gaffe aux zoos. Surveille bien mon stream, Torota, pour. J'y suis, mais j'ai une pub. Ouais. De toute façon, je suis en train de monter là. Il dure 2 minutes, donc j'ai le temps. Là, il y a un panneau. Je... 4 et 6, c'est par là. Allez, merde, il y a un ours derrière toi, fais gaffe. Oh merde. Mais tuez-les, ça fait du cuir et de la viande. Ouais, j'aurais bien besoin de nourriture, c'est vrai. Alors, on est passé par là, et pouf, il y avait le bidon de la maman. Et donc, Dorothée... Ok, je suis parti à droite, mais là, je peux pas te dire... J'ai... Aïe. Deuxième ours tué. Putain. Bien. Ah bah attends, mais on assure avec EJ là. T'as de la nourriture ou pas, Christella? Alors moi j'ai... Oh là, j'en ai plus beaucoup, j'ai un bout de poisson. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'on retourne au bateau pour reprendre des réserves. Je pense, ouais. Le problème c'est que je sais plus où c'était. Oh bah c'est tout droit jusqu'à la mer. Et après il faut faire le tour de l'île. Exactement. Je vais faire. Bah c'est vrai qu'il y a un passage qui est bien indiqué pour trouver l'île, mais en fait ça passe par un tout petit couloir, il faut nager. Et très du coup t'as deux autres. T'as deux plages et. Eh, vu d'ici avec les toits en dents, on dirait que le bateau a des dents. Oh coucou le bateau. Non, c'est pas le bateau ça. Ah non. Ah, c'est la grille. Je sais pas si c'est la même. Infirmière, il va falloir que vous me réanimiez. T'inquiète pas, je vais te faire du bouche à bouche. Ah non. C'est pas le bon grillage en fait, c'est pas le bon truc. Merde. C'est pas le bon grillage. Allez, let's go. Je récupère les baies. Allez, je vais manger. T'as une lance, Torota, c'est bon? Elle est à moitié utilisée, donc ouais, ça va. Faisons une autre. Hop, je prends. Métal, machin, truc. Oh la vache, cette île est vraiment grande. Alors, une lance, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, il fallait que je crafte outils. Logiquement, lui, elle est par là. Enfin, la batterie est par là. Deux lingots, un boulon. Deux lingots et le boulon. Ah, une boulonne. T'en es sûr que c'est par là? Ok. Hop, ça, c'était fait. Ah oui, il faut descendre par là.
Donc du coup, je sais pas où vous êtes. Attends, je suis encore là avec toi, moi. Je suis en train de nous fabriquer une petite chose qui va nous être utile. Ah, c'est bon, on va trouver le bateau. Ok. Voilà. Alors, moi, je suis sur la plage, ah bah. Il y a le SOS. Si tu suis la mer sur la droite, normalement, tu devrais retrouver le bateau. Attends, ton retard, on va attendre les autres pour repartir. Je vais vous faire un petit truc, vous allez pas. Vous allez avoir peur, comme ça, tout ça, ça sera bien. Comment ça, peur? Ah, mais je croyais qu'il y avait autre chose à récupérer. Alors, tu vois, avec la D5, je vous vois foncer et sauter à travers le mur pour rentrer dans le bateau. j'ai récupéré du cuir. C'est fou. Le premier coffre, normalement, je crois. Oui. La viande. Ah, en viande, on est servi, là. Ah, les ours, ils filent au moins 2 steaks à chaque fois. Ah, le plan que j'ai récupéré, je le mets où ? Dans la poubelle. D'accord. Bah en fait, une fois que t'as le plan, ça le débloque ici, et donc si je fais apprendre, voilà, on a appris. Okay. Donc je peux le jeter. Donc tu peux le jeter. Et je préfère moi les ramener, les mettre dans la poubelle, ou alors tu peux toujours t'amuser à les garder pour les afficher, mais tu vois pas l'intérêt. Quoi, ça dépend ce que tu veux faire dans une cabine. On aurait pu garder tous les plans pour tous les afficher sur les murs, effectivement. Bon, autant pis. Du coup, le singe n'est pas rentré. J'arrive, j'ai le navire à vue. Aïe, et j'ai le squad qui me croque le cul. C'est une très jolie rime. Oui, mais elle est douloureuse. Au secours. Ah oui, je vois le poisson sauter. Vite, le qui est de retard, envoie-la moi, s'il te plaît, au secours. Promis, la première presse montée que je prends en cuisine, elle sera pour toi. Merci. Allez, il me restait 10% de vie et j'ai failli passer, moi. Au secours. Je suis content, j'ai mes premiers rayons de miel. Du coup, j'ai même pas pu visiter l'île. Ah, ça m'embête. Mais de toute façon, il reste 2 stations qu'on n'a pas pu visiter avec EJ. Ouais, il en reste 2. Puis même les premières, il fallait revenir avec une scie, je sais pas quoi, plein de trucs. Une scie. Ah. T'as vu EJ dans le frigo, les premiers rayons de miel? Trop bien. On va faire des sucreries. Ah oui, cool. Là, je vais les petite gâterie. Alors, tu vas bien me les garder et pas les cuisiner, oui, surtout. Ah bon, le miel? Ouais. Pour faire des ruches? Pour faire des ruches, pour faire du biocarburant. Oh, d'accord, capitoune. Il faudra la prendre aussi, sur le coup. Ouais, bah pour le moment, on a juste le raffineur de biocarburant, de base. Bon, je l'ai mis tout en haut, mais on le descendra, on le mettra à un endroit qui nous convient de toute façon, je pense. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis tout en haut, d'abord on va le mettre tout en bas. Capitaine, dès qu'on se recroise, oui. Ne soyez pas effrayé. Si vous pensez que j'ai de nouveaux tatouages sur le visage, c'est normal. C'est ma terrible lutte virile contre l'ours pour lui chipper son miel. Il m'a laissé des traces. Oh, c'est beau. La lutte était dure. Ah oui, alors. La lutte était terrible. Il ne pensait pas à s'en sortir. Oui, encore dans ce milieu aqueux où les rencontres infortunes peuvent se faire alors qu'on s'y attend pas, ce n'était pas. Tout le monde est prêt à repartir ou pas? Et tu veux qu'on reparte alors qu'on n'a pas fini d'inspecter l'île? Repartir sur l'île. Ah, pardon. Tu l'as dit là. C'est satisfaisant d'entendre ça. Le gros glindu qui s'amuse avec la... Bon, moi et Torotin, on est dehors, on est prêts, on vous attend. Moi, je prends quelques vivres. Hein. Ah putain, oui. De la bouffe. Ah bah oui, c'est important. Je pensais que t'allais mourir.
Non, non. Ah merde. Je suis pas. J'ai pas le diplôme de nourrice. Ah. Non, alors là, je pensais pas ça. Par contre, là, non, non, non. Pour une fois. Bébé Torota se fait nourrir. C'était pas du lait de coco. Une omelette de champignons. Bon, je vais peut-être me refaire une lance. Attends, ce qu'elle va péter la vie. C'est un gourmet, Jay. C'est bon. Mais t'as fini, vie. C'est quoi cette prise de tête? C'est horrible. Mais il est fou. Faudrait qu'on ferme le métal en plus. Il y a l'étage du dessous quand tu veux prendre de la flotte, Jay. C'est là où je mets mes plats raffinés. Je l'avais vu tout à l'heure, mais du coup, j'ai. Ah, putain. Bon, ok. Bah, en fait, l'idéal, c'est quand tu sors de la pièce de flotte, t'as et à manger et à boire, donc t'es refait. D'accord. Ouais, il faut des planches. Bon, bah je confisque le rayon de miel, puisque le capitaine le veut, je vais le mettre dans la boîte à part. Je l'ai mis dans la... Moi j'ai mis les miens, parce que j'en ai chopé aussi, dans le stockage avec les boulons et tout à l'avant. Mais on va les mettre près... Non, on va les mettre là, vers la fonderie, là. Hop, ici. Ça va servir à faire le biocarburant, alors... Ah là là. Eh bien. J'ai déjà 30 succès, Oui. Ouais, mais il y en a que t'auras pas tout de suite. Hein, ça. Tu vois, moi ce matin, j'ai tué 50 rats parce que bah, j'étais à 49 sur 50. Donc le premier rat qu'ils ont tué ce matin. Boum. Je sais pas combien je suis pour les ours. Voyons voir. Ouais. Mais le pire, c'est les oiseaux. Les oiseaux, je le ferai jamais. Alors, j'ai déjà tué plus de 10 ours. Ah, très bien, les betteraves. J'en ai de plus en plus, je suis content. Ouais, là, il y a un stock. Hein. Très, très bien. J'ai 79 succès, moi, sur Raft. Le collectionneur. Ah, bah les ours, j'en suis à 49 sur 50 aussi, maintenant. Là, alors, est-ce que tout le monde est sorti du bateau, là? Non, je suis encore à bord, capitaine. Moi, c'est nous, Torota. Après, on va falloir qu'on te cherche pour te ramener jusqu'à ton ligne. Je vais pas être obligé de te faire du bouche à bouche. Ah merde, je suis KO. Non. Si. Non, non. C'est pas possible. Mais non, t'es là, je te vois. Je vais te mettre un coup de lance, tu vas voir, tu vas être KO pour de bon et on va te saucissonner dans le bateau, tu bouges un peu. En fait, le bac où il faut mettre les 5 billes, ça sert à quoi? Bah justement, c'est la maman ours. On va faire ça, ouais, justement. Ok, bon, ben moi je suis à côté, j'attends. Parce que je pense que l'endroit où elle bloque, ça doit être l'endroit qu'on doit faire juste après. Bonjour, madame ours. Oh bah vous êtes de mauvais poils aujourd'hui. Oh là voilà. Alors. Aïe, mais pourquoi moi? Bon d'accord, j'ai mal parlé. Je vous présente humblement mes excuses. Parce que vous n'êtes pas de mauvais poils. Laissez-la tranquille. Elle mange, Ouais, voilà, elle mange. Alors là, la technique, tu vois, parce que moi je suis un gros connard qui aime pas prendre des coups, c'est comme ça là.
Ah oui, à travers le... C'est la technique du lâche, quoi. C'est ça. Ouf, j'ai eu chaud. Allez, ouais, on l'endroit le plus sensible, hein, évidemment. Oui, à peu près ma cocotte, là. Pourquoi tu fais l'hélicoptère ? Je suis dans l'ours, ça me fait chier, ça ! Arrête de faire l'hélicoptère. Oh, mais merde ! Non, tu m'as pas vu. Fallait t'éloigner, ton retard. Moi, lâche-moi tranquille. À la limite. Aïe. Non, le truc, c'est que moi, quand je joue, j'étais dans l'ours. J'étais pas à côté. Ah, oh, merde. Elle a couché tout le monde. C'est énorme. Non, mais je vais aller chercher mon armure et ma lance, mon bouclier sur Conan Exiles. On va s'en occuper. Merci, Capitoun. Armure en os de dragon. C'est... Ah, le gameplay est fou. Je suis immobilisé, je... Ah, les survivants de l'extrême à deux balles. Voilà. Et pourtant, on lui a mis un sacré nombre de coups de lance. C'est pour ça que je vous ai... Tu vois, c'est pour ça que quand tu me disais, ton retard, j'ai la moitié de ma lance. En faisant une. Extraordinaire. Voilà, j'ai réanimé le cuistot déjà. Mais qui, capitaine? Ah ouais. T'as sauvé le plus important, le cuistot. Le plus important, le cuistot. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils veulent pas aider les survivants. Mais... Je suis désolé, hein, j'étais en train de courir avec la maman au cul, j'ai pris le premier tas de viande qui me passait sous les mains. Hein. Le premier tas de viande. Non mais t'inquiète, je fais dodo. Tranquille. Bon, après, de toute façon, là, elle est en train de manger, donc normalement, je suis tranquille. Donc, on a Torota, on a EJ et... Christella qui est plus proche. Et Christella qui est encore un peu plus loin. Allez hop. Les dames d'abord. Mais je crois qu'avec EJ, on va démissionner. Hein. Plus de pêcheurs et plus de... Et c'est plus quoi de son rôle, Torota? Le capitaine second, mais bon, là maintenant. Ah, oui. Ah, plus de second. Il élimine la concurrence, t'inquiète. Parce que sans poisson, le sage, il peut pas faire beaucoup de recettes. Bah oui. Attendez, j'ai réussi de revenir. Moi, je suis capitaine, hein, je sais pêcher, je sais chasser, je sais cultiver. T'as des betteraves, il y en a plein. Oui, mais tu sais pas, t'aimes pas farmer. Donc, du coup, avoir deux farmeurs en moins, c'est... Ben oui, ouais, mais oui. C'est pas grave, le bateau est construit. on va se saborder, tu verras. Et là, tu te débrouilleras. On fait couler le bateau, c'est pas grave. Mutinerie. Révolte. Bon, bah, révolte. Révolte. Ça va, vous êtes bien, vous révoltez, là, hein? Ouais. Les morts se révoltent. Ah, mais... Si je vomis, parce que à cause de la caméra, c'est... Non. Parce que la caméra, je veux bien, mais bon... C'est vrai que ça fait un peu effet... Ferme les yeux, hein. On est bientôt arrivé. Ferme les yeux. J'adore l'opération de sauvetage. Je trouve le principe excellent. J'adore. En fait, l'ours, on n'est pas obligé de la tuer. On peut la laisser manger tranquille. On n'est pas obligé de la tuer. Effectivement. Mais moi, je vais la tuer quand même parce que ouais. Ça... Quand moi, c'est un signal, c'est ce que je vois, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Faites un clip, vite. J'ai qu'on était proches, mais à ce point, non, t'as pas besoin de me faire un tel remontant. S'il te plaît, arrête. Ça devient très gênant là. Ils sont en train de copuler pendant parce qu'on a un qui porte l'autre. Ils font ça en courant et tout. Oh mon dieu, arrête, je sais plus où est le lit. Non, par là, le sage, on descend. Là-bas. Non, mais il continue en plus.
Non mais c'est horrible. C'est tout de suite, c'est tout de suite à gauche en haut, toi. Le bug graphique. Ah oui, bonjour la Jed. Ah oui, voilà. Oh, punaise. Je ne peux plus nier, hein. C'est 100% milieu avec eux, là, je suis désolé. Je ne contrôle plus rien. Oh, punaise. Oui, oui, oui. Bon, il y a encore des naufragés dans cette histoire, je sais plus, moi. J'ai pas compté. Attention à pas être trop sur le côté casse. Parce que là où je suis, j'arrive pas à le toucher. Sur la bassine, il peut pas m'avoir sur la bassine. Si t'avances pas trop, non, ça devrait aller. Là, t'as trop. Ah ouais. Effectivement, pour avoir sa tête, ça. Ah oui, c'est une. Mais il n'y a plus qu'un corps à récupérer ou juste... Non, il n'y a plus rien. Ah d'accord. Oh oh oh. Il est sacrément en balèze celui-là, hein, peut-être. Mais c'est la maman ours, hein, c'est un sac à PV. Ah ouais. D'accord. Bon, revenez tous derrière. Mais Edgy, il dit. Bon, bah salut Edgy, à la semaine prochaine. Et je le laisse lécher la chouette, hein, cette fois, hein, parce que. Bah, je vais aller récupérer le petit Edgy. Je vais apprendre à jouer, puis je vais revenir. Oh là, il y a une tempête, il flotte un brouillard. La caisse. Voilà, hop. Où j'arrête de dire le boulot. Ah, la machette. Oh, y'a l'âge. Non, mais je suis bien, je suis dans les hautes herbes. Voilà. Aïe, le requin est. Oh, le mamabille. Un seul qui le dépasse, qui s'est allé en train de le faire. Alors, petit. Je récupère la tête. Bien par ici. Oui, tout. Hop, voilà, c'est bon. Tête marrante. T'as récupéré quoi, Christella? À part la tête. Alors, 5 steaks, 12 morceaux de cuir. Et toi, ton retard? 5 steaks et 3 cuirs. Voilà, donc la maman rousse, c'est 10 steaks. On prend là-dessus. Wow. Promis le sage, je fais rien d'en descendant. Bah, pour le moment, tu tiens bien, donc j'ai rien à dire. C'est bizarre, c'est arrivé au bord de la plage que soudainement ton retard. Attends, t'as une droite qui était indécent. Là. Oui, c'est celle où j'ai récupéré le plan et la machette. Ah, d'accord, ok. Ah, mais comme tu le saches. J'ai voulu mettre un petit peu d'ambiance. Bon, attends, voilà. Il y en a une par là. On dirait que t'auras cherché des concombres au niveau de mer, t'en as trouvé un par inadvertance. Ah ben. Attends, moi je vais remonter par là-haut parce que. Ah bah voilà, petit EJ va être refait. Mais je suis pas petit, toujours pas, hein. Bah si, il y a un moment où ça t'a niaqué les chevilles. T'as été raccourci. T'es passé par où, petit Seb? Parce que là, on te voit plus, là. Moi, je suis passé derrière le... Alors, attends, je reviens vers toi, je t'ai vu. Reste vers le truc de bouffe, là. Voilà, j'ai trouvé qui c'est là. Ah, ok, non. Là, derrière toi. Regarde. À ta droite. Faites attention, il y avait au moins un ou deux ours en haut, donc ils ont peut-être spawn. Il y en avait attendez deux. Attendez. De toute façon, il faut se balader et trouver les stations, mais... Bah, l'île est grande parce qu'en fait, dans le panneau d'entrée où ils disent ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire... Ils disent interdiction d'usage des véhicules non autorisés. Alors, si on parle de véhicules, c'est que la superficie est plutôt large. J'ai l'impression que l'ours n'a pas encore respawn. C'est une île, à mon avis, on aurait pu organiser un rallye automobile dessus. Tant mieux. Alors, je vais utiliser mon filet pour. Ah, il y a du miel. Hop là, 5 pots d'abeilles. Oh. Ouais, c'est bien beau de construire une ruche, mais si t'as pas les abeilles pour aller avec.
Quand il fait sombre comme ça, ah, il y a une... Je sais pas qui c'est qui est devant moi, mais un peu plus loin sur ta droite, il y aura un ours. Fais gaffe. Ah, mais il y avait une grotte pas loin là, où il nous fallait la machette justement. Mais j'ai pas d'ours ici. Ah, elle est là. Ah non, mais c'était plus haut en fait. Ah si, il est là. Ah, il a failli me sauter dessus. Tu vois, on dirait une nacelle de montgolfière. Bon, je vais aller à la station 4, on va voir. Hop. Ah ouais, la station de Ranchar, elle est là-bas. Ok. Ah ouais, j'ai trouvé l'endroit où il faut utiliser la machette. Loin de moi, alors. Non, je suis juste derrière toi. Est-ce que quelqu'un est à la station 4 ? Mais je sais pas, j'ai trouvé une station, j'y vais, je vais voir. Oh merde. Parce qu'en fait... Ah ben j'y vais là, à la station 4. Ok, parce qu'en fait j'ai trouvé un accès, mais je peux pas parce que faut activer un pont. Donc voilà. Ah merde. On est au même moment. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Mais tu vois, il y a un pont activé. Attends, je vais faire le tour. Allez chercher l'arc. Et vous pouvez tirer sur l'interrupteur de l'autre côté avec l'arc. Ok. Where is the battle? Voilà, et en fait, la maman, du coup, ours, on est obligé de la distraire avec la bouffe pour pas être obligé de la tuer normalement. Pour atteindre la station, on est obligé d'avoir la machette en fait. Il y a un lama pas loin. Merde, cours pas trop vite, je sais pas ce que tu montres. Je suis fier, j'ai zigouillé mon premier ours. Ah, j'ai trouvé la scie de Bruno. Ah ouais, bien. Oh, they are hiding something. If they figure out there's only space for two of them on the boat, I've decided. Ah putain, je me suis raté sur ton vrai. Oh ça. Je vois rien. Mes yeux qui me jouent des tours aussi. Station 6. Ah, moi j'ai trouvé la clé. Clé de serrage. Du serrage de Bruno. En fait, il aurait fallu faire ces stations. Oh, il y a un mec dedans. Ah oui, la station 6, il va falloir que vous veniez pour récupérer le personnage. Là, j'ai un plan bidon d'essence. Vous êtes où? Parce qu'en fait, là, on est tellement dispersés qu'on n'arrive pas à se... Oui, non, on va fouiller, on va finir, et puis ensuite je vous ramènerai jusque là. Mmh. Parce que moi je suis fier, je viens de trucider tout seul un ours et j'ai récupéré tous les trucs de miel. Je suis trop content. Je vais prendre l'arc et je vais tirer sur le levier. Donc là il y a deux stations relais qui sont activées sur trois. Il manque donc celle où vous êtes, où il y a le pont. Ouais, le cap. L'arc est ici et je vais prendre les flèches. Prends les pas celles en fer, prends les autres parce que comme ça, si en on fer, perd la flèche, ouais. C'est pas grave. Ouais. Ok. Bon. Hop. On peut pas balancer des cailloux. Attends. Ça devrait se jeter, ça, une pierre. Je crois pas. Si, on peut les balancer. Et t'as touché? Non, mais je vais jeter plus haut. Y a un panneau. Moi, je vais aller me balader. C'est bon, c'est fait. C'est ouvert? Ben voilà. Ouais. Oui, bien j'ai pour fait tout les objets. Ça et... pour rien. Alors, un panneau, Ranger Station et des stations relais 2, 4, 6. Je vais à laquelle? Je vais à la 4, puisque ça y est. La 6, le sage. La 6, ok. Ah, je suis trop fier d'avoir trucidé un ours et d'avoir 12 rayons de miel. Je suis trop content. Mais moi, il va falloir que je trouve les endroits où il y avait le miel pour récupérer les abeilles. Station numéro 4.
Et à la station 4, si je dis pas de bêtises, ouais, elle est par là-bas. Hop, c'est allumé. Ah, j'ai un code, 3941. The kids are fighting. Ça sera peut-être le truc à mettre sur l'ordinateur. Hein. Oui. Moi, je vais aller sur la 6 directement. Ah, le marteau. Ouais. Et après, il faudra retourner à la 1 et 2. Ouh, enfin, ça, ça va être ça. Oui, parce que des débuts, ça. Bon, ouais, c'est les objets. Ouais. Ouais, regardez. Oui, récupérez bien les schémas. Donc là, on a le truc pour faire le carburant, la réserve et les tuyaux. Je pense que ça doit être. Du coup, je vais à la station de Ranger. Bah, la 6, si tu veux récupérer le personnage. Ah oui, oui. Bon, ouais. Il y avait un personnage sur l'île que vous avez faite tout à l'heure. Dans le bateau, il n'y a pas de personnage. Ok. En fait, ils sont pas si difficiles que ça à zigouiller quand on a une bonne lance en métal, les ours. Non, mais même, en fait, si tu esquives bien, c'est-à-dire que tu mets un coup et tu recules tout de suite, l'ours, tu laisses taper l'ours dans le vide et tu recommences. Ouais, et c'est du coup, ça. Il te touche même pas. Exactement. Donc, peu importe ton arme, en fait, tant que tu as une arme et que tu as assez de durabilité pour la battre, c'est bon, quoi. Ça sent trop bon. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait à manger, mais ça sent bon. Qui c'est qui était avec moi à la station 4? C'était toi, Torota? Yes, c'était moi. Attends. Juste faire un tour autour, parce qu'il me semble que... Là, c'est ce que je regardais justement autour, ce qu'il y avait un peu. Ah, si, j'entends des abeilles. C'est où? Ah, il y a une ruche, là. Je récupère le... Enfin, il y a du miel. Je récupère le miel. Trouver une sorte de grotte avec des lianes. Oui, c'est par là, pour la station 6. Ah, ok. En fait, cette grotte-là, elle est couverte de lianes, et il te faut la machette pour rentrer à l'intérieur. Ah, d'accord. Et donc, dans la grotte, derrière la maman ours, t'as un coffre où il y a déjà une machette, et t'as le plan à côté pour pouvoir la refaire. La machette et l'arme au-dessus de la lance. On ramasse des baies alors que ça nous sert à rien. Ah oui, c'est vrai que ça va pas dans l'inventaire. C'est un bug ? Non, non, si t'appuies sur T, elles sont dans les objets clés. Oh. Attends, elle est où la... La machin numéro... La cabane 6, là. Quand tu passais le pont, il fallait continuer tout droit, il fallait pas redescendre sur la gauche. Non, non, je suis pas... T'inquiète. Ben, c'est par là. Vache, quel île de fou. Hey, John. Des abeilles. Tu les prends avec ton filet, c'est ça? Ouais. Oh, putain, okay. J'ai... Ah, voilà. Après, il faut faire attention à pas trop rentrer dedans, parce qu'elles peuvent te piquer, quand même. Oui, d'accord. Je me suis fait piquer deux fois, ouais. Allez, mais descendez, je veux juste vous attraper, là. Voilà. Ah, puis encore, il y a encore du miel. Je me dépêche parce qu'on m'a appelé pour manger. Ah, il y a encore du miel. Voilà, oh, personnage. Station 6, d'accord. Le panneau est dit ici. T'as continué, Torota? Ah ben là, je suis le panneau station 6. Là, je... Oh, je viens pas... de navire, trop beau. Donc je t'ai perdu. Ah, mais j'ai tourné à gauche. Voilà, je suis là. Ah oui, station 6. Ah, bah, c'est juste en face, là. En face de toi, il y a une grotte avec des lianes. Oui. Hé, hey, dis donc. Je suis pas, je suis pas un vrai ours. Ah, d'accord. Ok.
Rapin. C'est tellement sombre, sa mère. Mais, Ah, la prochaine ligne, c'est Caravan Town. Toc. Ouais, il y a des trucs, ça. Ça, Caravan Town, on va s'éclater aussi. Oh. Le sage, il va s'éclater. Enfin, vous avez tout éclaté, m'en compris. Par contre, il y a un truc qui va bien vous faire chier sur cette île. Caravan Town. Ouais. Allez. Bon, mais je vois laquelle c'est. L'étape du jour, je l'aime bien. C'est champêtre, c'est sympa, j'ai l'impression de me promener, c'est agréable. Bon, c'est pas sans danger, évidemment, mais c'est agréable. Putain, ça fout la gerbe, cette montée. À tourner. Bonjour, Michou. Pense à sauvegarder par intermittence, hein, Torota. Oui. Ce serait dommage qu'on perde toute notre progression. Ah, mais c'est le capitaine qui est là, on dirait. Putain, je suis fou, le vice-capitaine, s'il te plaît. Parce que le capitaine, il est pas vers vous. Hein. Tiens. Moi, je retourne à la station de Ranger. Ouais, je vais y aller aussi. Mais de toute façon, là, il faut juste que vous alliez tous à la station 6 pour avoir le personnage. Mm-hmm, ouais, c'est fait. Et après, ouais, on finit de fouiller l'île. Et puis... Attends, c'est la maman rose, c'est ça ? On va repartir. Non, la maman rose, elle ne respawn pas. Ah, d'accord. Donc maintenant, c'est la seule qui ne respawn pas. Ouais. Maintenant, c'est que des œufs. Lambda. Oh merde, je me suis approché trop vite. Ah, j'étais pas loin du centre. Il y a des ustensiles, je peux les récupérer. Ah merde, j'ai plus de lance. Bah, pourquoi je suis coincé? J'ai tué 10 nounours. Oh putain. Ouais, j'ai plus qu'une place d'inventaire. Non, mais j'ai le plan de la machette. Attends, que je vais pouvoir jeter ici. Je fasse une arme. Aïe, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Merde, je suis à poil maintenant, j'ai plus d'armes. Eh ben, cours vite. C'est ça. C'est bizarre, station relais 6, je me suis fourvoyé. Ouais, c'est pas évident, hein. Ça fait un petit peu, un tout petit peu labyrinthique. Ouais, ouais, ça monte, ça descend, il y a des trucs, tu sais pas si c'est le bon embranchement. Ah, les trucs toxiques. Allez, YOLO. Là, il y a une espèce de mode de terre. Je sais pas ce que c'est. Hop là. C'est là où j'étais tout à l'heure. Passer en une fois. Et vous avez pas trouvé l'ampoule? Non. Non. Ouais, ça c'est bizarre. Je sais que l'ampoule est quelque part sur lui. Revelation. Bon allez hop, encore un ours. Il vous manque encore un texte hein, sur l'île. Mmh. Oh. Bonjour madame. Merde, il y a encore un ours, mais j'ai plus d'armes, c'est dommage. Maintenant que j'ai la technique pour les trucider. Mais j'ai l'impression que je reviens toujours au même endroit. Bizarre. Donc oui, j'ai mis tous les outils, du coup j'ai eu la photo pour le bouquin, la note. Mais ouais. Il me manque une note et il manque l'ampoule. On peut la trouver cette ampoule. Quand on appuie sur le bouton T, qu'on est dans le cahier, là, il y a le plan d'où on est. L'endroit avec la tête d'amour, c'est là où il y avait la caverne où il y avait la machette, c'est ça? Oui, c'est ça. La tête de mort, c'est la maman rousse.
J'ai pas visité par là. Il y a un pistolet, t'as des abeilles hélas. Ouais, mais de toute façon, moi je vais retourner au bateau, je poserai tout ce qu'il faut au bateau parce que. Il faut que t'ailles manger. Enfin, que j'aille manger, ouais. On t'a appelé à la tête. Là, c'est pour ça, tu vois, que je voulais pas être l'hôte de la partie parce que comme ça. Si j'ai besoin d'aller manger, ça fait pas quitter tout le monde. Quoi. Voilà. Mon premier ours. Enfin. Ça y est, t'as tué ton premier ours, Torota. Ouais. Aman. On y croit tous. Hein. T'imagines ton retard en mode très très viril, complètement dopé. Viens ici, l'ours en peluche que je viens de te faire un câlin. Et là, il y brise la nuque. C'est ça. Avec mon gabarit, tous mes grichons en 60 kilos, un coup de patte et je m'envole. Je savais que cet homme était violent. Mais le style me plaît, donc. Ranger. Je sais pas s'il doit retourner au bateau ou pas. Bah, il faut que vous trouviez l'ampoule pour finir le 100% pour vous. Alors, moi j'essaie de retourner au bateau, mais j'y arrive pas non plus. Moi j'ai plus rien à manger, j'ai plus rien à boire. Comme dit Christella, après vous avez un plan de l'île sur le dans votre bouquin, donc vous pouvez vous aider, même si elle n'est pas très précise, vous en aider pour essayer de récupérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général il faut essayer d'aller à. À la cabane du ranger en premier, parce que c'est là qu'elle est, il me semble. Après, si t'as l'occasion de refaire une pelle pour récolter toute la terre qu'il y a dans les quelques grottes qui sont sur l'île aussi, ça n'a pas de souci. Tac, le cuir. Je vais manger un petit peu. Ah, mais le sage est au bateau. Ok, dans le bric-à-brac, je pose le filet à le filet pochoir pour attraper les abeilles. Hop là. Voilà. Tu es au carburant, truc mèche à carburant, une machette, oh là là. Ah, oh la violence. On va être violent. Bombe de guérison, une ruche. Waouh, extraordinaire. Extraordinaire. Mais je pense qu'il va falloir qu'on continue à faire des batteries en fait parce que le générateur d'énergie est beaucoup plus loin que ce que je pensais. Tu
Oh la vache, j'ai déjà plus assez. Tellement j'ai des trucs à la tête. Moi je dépose tout ce que j'ai. Très grande vitesse. Oui, moi aussi, je vais arrêter dans 5 minutes. Je vais vous mettre la compile des clips sur mon antenne parce que j'ai très faim. Et il faut que je rejoigne FunFan sur son antenne à 14h pour l'épisode commenté du week-end. Donc je me vois mal commenter la bouche pleine. C'est un peu gênant. Ça nous regarde moins. Non. Prendre la machette. Alors, je vais aller à la station 2. Station 6, station 4. Station 2. Et voilà. Chez le sage, comme ça vous pouvez profiter des clips. Voilà. C'est gentil, merci. Ouais, je vais vous mettre l'équipe en vrac. Ça distrait. On est content, on a réussi notre bêtise de en 2 semaines. Ah non, mais énorme. Le coup du paquebot. Bon, putain. J'en bats plus encore. Je viens de lancer le raid, mais vraiment sans ménagement, tellement je suis à côté de la blague. Eh ben, je vais être KO, je vais être KO, je vois que dalle, ça me fait chier. Merci, je me fais. Oui. Eh ben. Oh, mais non, c'est abusé. T'es claqué sur l'île, Torota. J'ai eu un bug, mon perso n'a plus bougé et le morceau m'a fini. Ah merde, t'es où? Parce que moi je suis encore sur l'île. Ah. Quand tu arrives, tu vas, c'est sur la gauche. Je peux le voir depuis une. À la limite, t'es parti vers quelle station? Mais j'allais vers la 2. Normalement, il y avait. J'avais trouvé le panneau où t'avais les 3 stations, la 2, la 4 et la 6. J'espère que mon contenu est plus à la classique, hein, la en tout cas, soyez les bienvenus. Bon, moi je vous laisse. J'allais voulu. Merci Tissette, bon app, bon week-end, à plus. De rien. Ouais. Salut. À plus, salut. Ciao, bon appétit. Et quand j'ai voulu aller sur la 2, il y avait une petite plateforme où il y avait une armoire, où il y avait certainement des objets dedans avec. T'es plus vers la station 1 et 2 que la station 4 et 6 Je pense que je suis plus côté 1 et 2. Ok, donc je vais y aller. Oh putain, et moi j'ai. Attends. Je suis à la limite de mes réserves. Équipe de bras cassés. J'ai plus rien à bouffer. Ah, bon, attends, je sens que je vais rester un petit peu faire des prolongations et puis apporter de la bouffe. Attends, là, ah là là, oh, putain. Je vais me déconnecter, mais finalement. J'ai l'ours aux fesses. Ah bah, la totale. Je lui ai mis quand même pas mal de coups, donc normalement tu devrais le temps que venir je me tue. Bientôt. Si c'est le même. Alors, lingot de métal, boulons vite. Voilà, c'est bon. Je sais plus où c'est. Lingot de métal. Moi, j'ai vraiment commencé à faire jour. Bon, donc tu m'as dit station 2 et 1 et 2. Mm-hmm. Exactement. Ça, c'est un truc qu'ils auraient dû rajouter dans le jeu, pouvoir au moins voir les coéquipiers à terre, aller voir loin. Mmh. Là, on peut retrouver, je sais pas là. Voilà, je me suis fait une lance déjà, ça va m'aider. Est-ce que
Est-ce qu'il y avait des pics à côté de toi? Non, il y avait. C'était surtout une petite plateforme où t'avais qu'une armoire en métal avec. Je sais plus quoi à côté. Est-ce que je peux changer de vue? Attends, je vais regarder ton. Ah merde, non, sur le fond, on peut pas regarder. Donc t'es par terre, on voit rien. Attends, si j'appuie sur ça, la mer, tu vois pas. Ouais. En fait, il faudrait qu'on cherche tous. Ouais, attendez. Non, mais sinon, j'aurais pas. Je vais arriver aussi avec la. Tu vas perdre ton stuff si tu. Là, je m'occupe de faire des plats cuisinés comme ça. Ouais. On a des bonnes réserves. Là, je vais faire cuistot en plaçant aussi Edge, c'est cool. Bah, je suis pêcheur à la base, donc bon. Ah, ouais. Non, mais c'est bien. C'est trop converti bien. Attendez, tu sais, samedi, ils font une pause et laisser le sage manger. Ouais, non, mais je vais le faire rapidement. Et puis, sûr, à 13h30, j'arrête, je vous mets des clips. Mais vraiment en extrême. Mais ouais, je vais croquer un morceau là parce que je commence presque à en avoir mal au crâne. Enfin, j'ai plus mal au crâne parce que j'ai le sinus qui est pris, mais bref, bah, c'est autre chose. Mais ouais, faut que je souffle un peu en antenne. T'en fais pas, tu sais. Oh merde, j'ai faim, j'ai plus rien à manger. J'arrive sur l'île, vous êtes où? Je suis sur ton stream, le sage, donc je vais te dire. Tu montes? Comme d'habitude, comme si on allait voir la mer. Tu m'étonnes, tu m'aurais dit tu creuses, j'aurais bien été emmerdé, déjà que j'ai pas de peine. Ensuite, gauche, droite. Gauche. D'accord. Gauche. Voilà. T'es dans les buissons? Non. Ah. Là, continue sur la route gauche. T'étais tellement insistant sur le gauche que j'ai. Non, parce qu'en fait, entre le moment où tu me poses la question et là, ce que je vois, donc du coup, c'est un peu. Ah ben voilà, GG, on va trouver. Et là, mon personnage reglisse très délicatement. Là, c'est correct ce qui se passe à l'écran. C'est l'écran des chiens. Mais c'est vraiment bizarre que ton personnage se soit décalé alors que je transportais et que j'arrivais au niveau de la plage. J'ai pas compris, c'est pour ça que j'ai pouffé de rire. Que la suggestion dans la gestuelle, franchement, c'était scabreux. Ah non, mais vraiment. Le petit remontant au sauveteur, là, c'était. Voilà. Et Christella, tu t'en sors? Je vais essayer de retrouver le bateau. Je suis un peu au ralenti, mais ça va. Ouais. Que sinon j'ai de la bouffe et de la boisson sur moi, je pourrais te faire fouiller. T'as des plats avec des steaks de ours ou pas? Le sage. Vivi, alors je te les apporte. Ah non mais non, attends, on s'est mal compris, pardon. Non regarde, mais je suis bourré de bouffe et de. C'est moi, j'ai interdiction de mourir parce que j'ai plein de miam sur moi et de flotte. Mais du coup je fais sauveteur. Du coup, je vais essayer de partir à la rencontre de Christella pour que je puisse la redoper et qu'elle reprenne sa marche, même sa course. Mais le problème, c'est trouver Christella. Il faut que je mémorise. Alors, où est-ce que je me barre, moi. Moi, je peux encore des panneaux, bouteilles d'eau, de la bouffe sur moi, alors je peux les donner. Attends, je vais voir si t'es pas parti par là. Je vais essayer de revenir vers la station 1 et 2, je vais essayer de suivre les panneaux. Et un bouillon de tête. Ouais, c'est bien, Jet. Tu fais de la popote, c'est cool. Ouh, je saute un croisement. Tu me vois pas, Christella? Non. Oh, merde. Bah, de toute façon, suis les panneaux, station 1 et 2. On va peut-être croiser. Station 1 et 2.
Oh merde, il y a l'ours. Oh, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. T'es là-bas. Ah, moi, je vois des panneaux avec un ours. Donc, si tu vois des panneaux avec un ours, c'est que je suis pas loin. Mais tu peux pas longer justement l'île, les bords de l'île, pour retrouver le navire plus facilement. Là, mais je suis carrément à l'intérieur des terres, donc. Ah, t'es à l'intérieur, ok. Attends, où est-ce qu'elle est, Christella ? Ah putain, j'arrive pas à reculer, non. 1 et 2, ouais, c'est là-bas. Oh, ça y est, l'ours m'a eu. Ah, mais on arrive. Ah, je le vois. C'est bon, je vais te sauver, Christella, bouge pas. Ah ben, le sage, ce héros. Ah bah, il me manquait un coup, il est mort. Bon, voilà, comme ça. Bon, ben voilà. Attends, je vois un espèce de campement. Par contre, je vois pas tourner ça. Ouais, je suis pas loin, ouais. Alors, attends. Je suis vers la droite. D'accord, donc t'es à l'opposé. J'arrive, bouge pas. Ah, je te vois. C'est bon, t'es sauvé. Alors, l'astuce, est-ce que je peux dépecer l'ours tout en gardant Christella sur mon épaule? Ah, non, mince. Attends, je te repose, excuse-moi. Je dépece l'ours, bah, c'est une belle récompense. Avant qu'il réapparaisse. Mais d'ici là, je serai loin avec... Hop, j'étais sur l'épaule. Nickel. Vite. Alors, le chemin était par là-bas. Tac, 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 tac. Oh, je suis trop fier. J'ai zigouillé des ours. Je réussis ma mission de sauvetage. Oh, trop content. J'arrive à me rendre utile. C'était là-bas, le navire. Oh, on a de la chance. Il fait beau. Le jour précédent, c'était plein de tempêtes, il flottait, on voyait rien dans le brouillard. Alors, mon cerveau me dit que c'était pas forcément par là. Attends, il faut que j'aille ensuite à gauche. Ouais, je crois que c'était à gauche. Oui, l'ours indiqué. Ouais, j'ai réussi à m'orienter, je suis content. J'ai mémorisé les bons chemins. Nickel. Eh ben, c'est bon. Hop, j'avais l'ampoule, quoi. Ah bah, c'est... Bah, non. Apparemment, non. Bah, on recherchera ça un prochain épisode. Parce qu'il y a tellement de trucs à récupérer sur l'île, surtout autour. J'ai vu plein de trucs de glaise, de... Au pied de l'île, il y a plein de trucs à récolter à 2-3 mètres en apnée sous la flotte. Ah bah voilà, je vais pouvoir me déconnecter de manière héroïque. Hop là. J'ai accompli. Touk. Ouais. Eh bah c'était cool, merci, moi je me déconnecte. Ah, c'était bien. Ah, c'était trop cool. On a bien rigolé. Ah, je me réjouis déjà d'être à samedi prochain. Ah, tu m'étonnes. Oh là là, la rigolade. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ah, c'était trop cool. J'ai adoré. Yes, c'est...